Salut. Comment ça, il n'y a pas de fond? Comment ça se fait? Voilà. Et là, vous m'entendez? Voilà. Bon, là, il y a le curseur qui a l'air d'indiquer. Voilà. Ouais, bon. Je sais pas pourquoi Steam a perdu le snowball. Voilà, bah, voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, ça va les vacances pour vous? Voilà, c'est la rentrée, c'est pas trop dur. Moi, je reviens de à peine de Corse. Putain, il faisait chaud. Bonsoir Emily, tu as découvert qu'il y avait un film Minecraft et on l'entend. Écoute. Ah non, mais vraiment, mais le mec qui veut absolument transformer toutes les mascottes de jeux vidéo en comédie nulle des années 90 avec des comiques de 50 ans qui essayent de piquer la vedette au personnage de jeux vidéo, faut le trouver et l'alterner là, c'est pas possible, hein. Genre, j'ai l'impression qu'il est frustré d'avoir raté son truc avec Sonic et que maintenant il essaye de faire ça avec Knuckles, puis avec Minecraft et tout. Non, c'est pas possible, quoi. Ce film Minecraft annoncé, c'est déjà le cancer. Bah, pas tant que ça. Moi, je pense qu'un film Minecraft, en film d'animation, qui assume son esthétique, avec quelques star talents, si tu veux, s'il en avait fait un film à la Lego ou Mario, ça aurait été déjà pas mal, tu vois. Je pense qu'il y a de quoi faire. Surtout que, de ce que j'ai compris, il y a un petit lore, voilà, qui permet de faire des jeux tels et tout. Et voilà, ça fait quand même un petit... Ça aurait quand même fait un petit film d'aventure sympa pour les gosses. Mais non, on a voulu en faire un sketch Saturday Night Live avec un fond vert encore plus dégueu, voilà. Non, vraiment, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens. Vraiment, ce genre de projet, je comprends pas. Ce genre de producteur, il devrait pas être à la retraite à force, là, c'est... Ils ont toujours pas compris que les jeunes, ils aiment bien quand il y a un univers précis mis en scène et tout. Je comprends pas. Alors j'en profite, voilà, parce que comme je l'ai expliqué, je rentre de Corse, du coup je vous montre une petite spécialité de la Corse, les frappas. Voilà, c'est des petits gâteaux, voilà, au sucre, voilà, c'est très sympa. T'as joué à Minecraft Story Mode. J'avais fait un petit peu la démo, vite fait, si c'est le jeu Telltales, hein. Et ouais, ça avait l'air d'avoir un petit univers fantasy simpliste mais efficace pour les gosses, voilà. Donc voilà, ça, les frappes, ça ressemble à ça. Voilà, c'est enrobé de sucre et tout, et c'est délicieux. Ouais, parce que bien sûr, j'ai ramené des trucs pour les colocs, hein, du fromage, du jambon, et bien sûr, les petites frappes. Voilà, je voulais juste la montrer, le reste, ce sera pour les colocs, je suis désolé. Alors, quand tu parles de ces gâteaux, je pense immédiatement au sketch de Tsekepido. Ah bah oui, c'est vrai que... Les hamsters, ça aime beaucoup les frappes, en effet. Le seul truc que j'ai retenu du trailer de Minecraft, c'est le look de Momoa. Ouais, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il avait cette coupe. Oh. Alors, là, on assiste au moment embarrassant. Les niveaux des personnages, celui qui a le plus haut niveau, c'est Dingo. Bah c'est bien, Dingo est le plus fort d'entre nous, hein. Je sais pas quoi faire de cette information. Alors, comme j'expliquais aussi quand je me suis rendu pas compte que j'avais pas de micro, j'ai fait un petit peu de nettoyage. J'ai récupéré quelques coffres et des trios. Là, normalement, tout ce qui nous reste, c'est dans la forteresse oubliée et dans le dernier monde. J'en dirai pas plus. Voilà, histoire de garder un petit peu la surprise. Et j'ai une petite fournée de Dalmatiens qu'on va se dépêcher de déposer. Et normalement, je crois qu'il reste juste une portée. Là, je crois que, ouais, je dois en avoir 96, quelque chose comme ça. Et les trois derniers, je suppose qu'ils sont dans le dernier monde ou quelque chose comme ça.
En fait, on va pour un quasi 100%. Peut-être pas 100%, mais j'espère que durant ces lives, je pourrai faire les boss cachés, la coupe Hades et tout. Peut-être pas tout dans ce live-là. En fait, dans ce live-là, déjà, on va finir la forteresse oubliée, hein, parce que c'est le dernier truc à faire avant le final. Mais après, je sais pas si on se fait le dernier monde ou si on se fait la coupe Hades. Parce que la coupe Hades, ça risque d'être un petit peu chiant pour ce live-là. Zut. Ouais. Parce que c'est encore une coupe dans le monde d'Hercule, mais là c'est pas juste 10 ennemis qu'on doit. On a la petite animation. Oui, on a la petite animation, c'est cool. Voilà, parce que là je crois que. Genre les 30 là qui sont revenus là d'un coup, je sais plus combien, mais. Là il y a des chances que j'ai plusieurs cadeaux d'un coup. Alors. Boost Tech, ça c'est bien. Bon, ok, bon, peut-être pas 30, j'ai dû en ramener 15, là. Je crois qu'on n'entend pas bien Chloé. Alors, c'est possible. Non, mais c'est juste que je suis un peu fatiguée, donc je regarde. Oui, voilà. Il est bien, mon son? Ça va? Attends, je le monte quand même un petit peu, voilà, c'est pas de refus. Voilà, bon. C'est juste que le mixage avec ton son et le son du jeu, il est pas idéal, quoi. Voilà, ça oui, commence à se remplir, là, hein, on est presque à atteindre les 99. Alors là, on a deux bourrés, là, comme vous pouvez le voir. Ah non, mais... Deux alcoolos. Et celui-là, il adore cette plante. Ah, mais... Il adore vraiment cette plante. Ah, il est bien. Il est bien là où il est. D'ailleurs, j'ai découvert ton live sur Batman de Telltale, c'était toujours pas fini. J'avoue que non, depuis que j'ai fait ce live, j'ai pas retouché au jeu. Parce que les jeux Telltale, voilà, il faut vraiment que j'ai une bonne après-midi à moi tout seul pour pouvoir me les faire. Faut avoir l'envie de faire un truc qui est surtout narratif et tout. Voilà, c'est une question d'envie sur le moment, les jeux Telltale. Et aussi, ben, je pense que si je me reprends ce jeu-là, je vais le reprendre à zéro, hein. Peut-être même reprendre depuis la première saison du jeu Telltale, là. Histoire de me remettre dans le bain. Et surtout, je me souviens plus trop de ce qui... Je me souviens des grandes lignes dans l'épisode que j'avais fait, mais les petits détails, ce serait bien que je me remémore pour être bien à fond pour les autres chapitres, quoi. De toute façon, là, on a un Fermella qui est prioritaire. Hein. Oui, oui, là, surtout, je vais prioriser un Fermella parce que j'espère le faire pour ce mois-ci. Normalement, le 10e anniversaire, c'est en août, mais bon... Non, mais... Fallait que j'étais en vacances, voilà, on va dire ça. Je suis allé voir ma famille en Corse, voilà, donc... Bah attends, mais qu'est-ce que je fais? Je peux prendre le vaisseau là, normalement. Voilà. Voilà, on va aller là, et on va aller direct dans la forteresse oubliée. Voilà, on doit passer par ce trou cosmique, parce que, soi-disant, il y a un mur dans le chemin habituel, hein, on fait avec. Voilà. Ah, même là, ils ont rajouté encore plus de vaisseaux, là, histoire d'augmenter la difficulté. Ouais, bon, c'est un peu une machine. Oui, oui, ouais. Les phases gummies, c'est toujours pas ouf, hein. Alors, heureusement que dans le 2, ça va être beaucoup plus spectaculaire, quoi. J'espère que ton œil va mieux. Mon œil va beaucoup mieux. J'ai toujours un suivi. Et on n'est toujours pas sûr à 100% de ce que c'était. Ou de ce que c'est. Si ça se trouve, je l'ai toujours. C'est juste qu'on a réussi à le calmer avec. Tous les médocs que je me suis mis dans l'œil, mais voilà quoi. J'ai dû me mettre de la pommade, du collyre, oui, de la pommade directement dans l'œil, pour vous dire. Ah, c'est super désagréable. Ouais. Moi, c'était pas tant désagréable de la voir dans l'œil, c'était surtout chiant à mettre. Ah, il me fallait quelqu'un. Heureusement, j'avais mes parents pour m'aider sur ce coup-là, mais voilà quoi. Oh, moi, je suis sûr qu'il y a moyen de faire une très bonne infirmière. Ouais. Voilà, donc on accélère, hein, histoire de profiter du boost. C'est marrant, ça fait des petits froids. Ça fait quoi? Et quand tu accélères, ça fait des petits froids en fait. C'est les modules qui sont à l'intérieur ou à la lumière, mais c'est marrant. Voilà, on nettoie bien. De la pommade, je me demande si tu n'avais pas une. Épice Cléry, je sais pas exactement ce que c'est. Bah en fait, le docteur, il avait pas l'air de savoir exactement
ce que j'avais, voilà, il m'avait dit que c'était genre une affection à l'intérieur de l'œil, quelque chose comme ça. Et bah là, en fait, il m'a donné de quoi faire des examens sanguins pour voir s'il n'y a pas un truc un peu plus génétique ou quoi, voilà. Il explore encore, quoi. Donc on verra bien ce que ça donne, mais déjà, ça va beaucoup mieux. Là, il y avait même un moment où ça faisait plus mal, mais j'avais un œil qui voyait tout flou. Donc même là, ça commence à bien se stabiliser. Donc voilà. Ça... Là, je pense que je suis bien en rémission, là, pour le coup. Parfait. Voilà. Ah, la chatbox a gelé, que quelqu'un est très bien, mais elle a gelé. De quoi? La chatbox a gelé. Ah oui, le chat est bloqué, effectivement. Ah, mince. Le problème, c'est que c'est souvent d'où il y a un problème de connexion et que là, je sais pas quoi faire à part attendre. On va devoir attendre que ça se débloque tout seul, là. Désolé, ah, ceux qui voulaient que les commentaires soient immortalisés, mais voilà, ça, je ne peux pas faire mieux. Voilà, descendre. Donc, on est parti que quelques heures. Qu'est-ce que vous avez foutu? Où est Belle? Toujours dans le château. Donc, retour à la case départ. Yup. Contre son gré? Non, je crois qu'elle voulait rester là-bas. Les autres princesses y sont aussi. Je me demande pourquoi! Allons leur demander, tout simplement. Tu pourrais avoir besoin de ma force. Alors, j'hésite, hein, c'est volontiers parce que je t'aime bien, bête. Mais si on croise des trios, ce serait quand même mieux que j'ai tout le monde, là. Mais en même temps, j'ai quand même fait une bonne partie du monde avec les trois, donc je sais pas. Bon. On va mettre... Parce que j'en ai un petit peu marre qu'il soit plus fort que les autres, je vais essayer de faire... Ça va pas marcher, hein. Je vais pas réussir à l'empêcher de progresser. Il va progresser en même temps que nous, même s'il participe pas au combat, donc je dois faire avec. Oui, oui. Un gros plus fort que tous. Alors, est une infection du blanc de l'œil sous la cire, hein, sans gravité, contrairement à l'alain. Je m'en suis tapé une avant de partir au Japon et on m'avait donné une pommade. D'accord, d'accord. Donc genre, t'avais l'œil qui devenait tout rouge et ça devenait de plus en plus douloureux au fur et à mesure. Et voilà. Et voilà, je le sentais. Alors désolé la bête, on retourne au point de sauvegarde. Donc ouais, t'avais une rougeur au niveau de l'œil, ça faisait progressivement de plus en plus mal et tout. Et genre, les produits qu'ils t'ont donné, ça faisait que t'avais un œil dilaté ou quelque chose Parce que c'est ça, c'est ça que j'ai eu, hein. De quoi? Oui, ça me faisait très bizarre quand je regardais au miroir, mais du coup, ça, c'est pour ça que je voyais flou d'un œil, tu vois. J'avais pas la vision qui s'accordait. Fallait que je ferme un œil pour bien... pour avoir une vue précise. Ce qui, comme vous en doutez, ça n'est pas idéal pour regarder des films. Heureusement, à la maison, on regardait surtout des films à la télé, mais quand même. Voilà. Bloc foudre. Ouais, bon, ça, je sais pas si ça valait le coup. Alors, du coup, je vais juste regarder dans mon carnet combien de trios il me reste à trouver. Alors, ouais, il reste juste un trio bleu. Ouais, ouais, c'est cool, c'est cool. Alors, les records, non. Non, ce que je voulais voir, c'est... Oui, voilà, les 100 dalmatiens. Oui, voilà, comme je disais, il restait 161, 62 et 63. Apparemment, Nomura aurait dit que la bête aurait utilisé un couloir obscur pour aller secourir Belle sur la forteresse oubliée. Bah, c'est ce qui est suggéré, quoi, parce que qu'il a un petit peu utilisé la même technique que Riku de, pour passer d'un monde à l'autre pour essayer de la retrouver, voilà. C'est juste que, bah, faut être très vénère et très fort, voilà. L'œil rouge est douloureux, pas comme une brûlure, plutôt comme si on l'avait frappé, qui me faisait mal, surtout la lumière. Ah bah, je crois que c'est exactement ça, du coup. Je crois que tu nous as aidé à élucider le mystère de mon œil rouge, là. C'est... Je crois bien que c'est ça, finalement. Bah, écoute, j'ai rendez-vous demain avec l'Oftomlo qui reprendra le dossier. J'essaierai de lui demander si ce serait pas ça. Peut-être que ça va leur donner une bonne piste. On verra bien. Faudra que je note le nom de la maladie, tiens. Voilà. Bon, on commence à gérer. Toujours chiant, mais on gère.
toi, par contre, tu m'énerves avec ton chapeau à la con. Viens là, dépêche-toi de mourir. Voilà. Je t'ai noté le nom dans le fil live. Ok, merci. Le stream a crash de mon côté. Ah, est-ce que ça arrive à quelqu'un d'autre ou c'est juste le pauvre gars? Moi, le stream, je le vois normal et je vois cette personne. Hop, voilà. Voilà toi. Moi non, ok, bon. Je crois que c'est juste toi, l'ami. Hein. Hop. Mais arrête de me tourner le dos. C'est toujours un plaisir. De quoi? Ces mobs là, c'est toujours un plaisir. Ouais. Mars là. Hein. Heureusement qu'on les voit plus trop dans les jeux qui suivent. Ah ouais. Il est censé être pire, mais pourtant je le trouve moins chiant. Voilà. Et voilà, quand je commence à en avoir marre là de perdre beaucoup de vie là. Hop. Voilà. Hop. Allez, viens là. Voilà. Encore? Non mais les gars, vous êtes vraiment pressés de disparaître, hein. Allez, non, je veux pas la plateforme, Allez. Allez, non, je veux pas la plateforme. Voilà, pognon. Et voilà. Mais arrête de tout tourner. Voilà. Donc, on monte tranquille. Voilà. Et là, normalement, on va avoir une petite surprise. Ça m'est arrivé, mais ça marche. Ok. Voilà. Bon, on n'a pas la bête avec nous, mais normalement, ça va s'enclencher quand même. Voilà. Oh, il a l'air tellement abattu. Ça va aller mieux. Ouh, elle est bizarre. Ah bah, elle est en graphisme limité, c'est pour ça. Elle sera mieux animée dans le prochain jeu. Tu es venu sceller la serrure? Sois très prudent. Les ténèbres se déchaînent à l'intérieur. Nous les avons contenues, mais on ne tiendra pas encore longtemps. On va s'en charger. Voilà. Et du coup, on élucide le mystère pourquoi les princesses sont pas rentrées chez elles. C'est parce qu'elles gardent la porte pour éviter que ça foute trop le boxon. Il y a un dégât des eaux qui se prépare au plafond là dans le château. En fait, ça y était déjà dans le premier passage, hein, mais c'est juste marrant que tu remarques maintenant. Je remarque maintenant, oui. Ouais. Alors, non, il n'y a que elle avec elle, qui je peux interagir. Donc, attends. C'est pour toi. Certains ont face aux ténèbres comme l'a fait la bête. Ah ouais. Alors t'es sympa, hein. C'est cool de me donner une fucking keyblade, mais je vais garder mes MP. En vrai, elle est pas mal. Elle est un peu courte, mais elle est pas mal. Mais c'est juste que. Puis franchement, celle-là, c'est ma copine qui me l'a offerte. Oui, bon, voilà. Alors, quelqu'un est hype pour. Quelqu'un est hype film Minecraft, quoi? Tu peux la refaire en français, s'il te plaît? Alors, moi, je suis hype pour le résumé d'MJ une fois qu'il aura vu cette daube. Oula, ah oui, oui. je promets pas que ce sera un résumé très intéressant. Hein. Alors, normalement, cette plateforme chiante, vous vous souvenez, mais si vous vous souvenez bien aussi, normalement, j'ai activé le truc pour que ça se tourne de l'autre côté. Et du coup, ça va à un autre endroit, yes! Yes. Voilà, voiloum.
Bon, ça va pas plus vite. Non. Ceux qui ont la ref, tu t'appelles la bête et la bête. Et là, on a le coffre juste là. Gravité. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ceinture de Ramu. Alors, voyons voir ça. Ceinture de Ramu. Oh, ça donne des épées en plus, mais ça fait baisser de... Bon, ok, je sacrifie mon MP. Vous êtes chiants. Alors, du coup, est-ce que je peux augmenter une compétence? Alors, j'ai trois trucs. Peut-être que je peux... Dôme d'impact. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a Will Johnson qui vient d'offrir un abonnement de niveau 1 à notre communauté. Merci beaucoup. Et il a offert Loin d'Oril. Enfin, tu peux le remercier. Le compose se poursuit même, même si les attaques ne touchent pas la cible. Je vais dire mettre des combos, on verra bien. Et c'est reparti pour l'autre sens. Voilà, allez. Ah oui, film Aznavour qui arrive aussi. Ah, je me suis pas renseigné sur le film Aznavour. Ça peut être pas mal, hein, mais on verra bien. Il y a de quoi faire avec Aznavour, je suppose. Oui. Toujours, tant que c'est pas un truc un petit peu insultant comme avec Amy Winehouse ou quoi, là. Parce qu'en France, on avait fait un bon biopic avec Clo-Clo, donc Charles Aznavour, pourquoi pas, hein. Comment Mojang peut approuver cette mocheté de film? Heureusement que Netflix va faire une série animée. Ah bah ça, j'en sais rien. Je connais pas trop le bonhomme. Je sais pas quel genre de pratique économique il fait pour gérer la licence de Minecraft. Apparemment, il a l'air d'accepter tout et n'importe quoi, hein, vu que tous les trucs dérivés qu'on a de Minecraft. Mais voilà, quoi. Alors, du coup, on va descendre ici. Non! Vous êtes chiants! Vous êtes chiant! C'est pas sa faute s'il est chiant, il est comme ça, c'est tout! Ah, exactement! Ah! Heureusement que mon bouclier maintenant fait des dégâts. Allez! Oh! Oh, mais c'est pas vrai! Il y en a un là qui se sent pas bien. Alors. Le film One Love était bien, mais sans plus, heureusement, j'ai envie de dire, il n'insulte pas trop Bob Marley. Ah, j'ai pas vu le film sur Bob Marley, tiens. Ça promet d'être intéressant aussi. Salut Emily, j'ai oublié de dire que j'adore ton contenu, ton film comme ça. Je voulais te demander, est-ce que je pourrais avoir ton avis sur la série? Est-ce que t'as un avis en VIP? Merci. Ah bah, tu peux trouver mon avis sur la série dans la vidéo que j'ai fait sur le générique. Et... T'as qu'à imaginer que mon avis sur la série ne s'est pas amélioré au fur et à mesure que les épisodes avancent. Ou après que Captain Marvel ait réutilisé les Skrulls pour en faire une allégorie aux immigrés et leur intégration et tout. Pour finalement en faire des terroristes qui veulent le grand remplacement. C'était pas tip top ouf, hein. Oui, voilà. Je sais que c'est les Skrulls, mais quand même, faut assumer ce changement, sinon vous dites des trucs pas ouf, les gars. Et voilà, le personnage de Nick Fury n'a jamais été aussi détestable, à mon avis. La mise en scène était bof, le combat avec le Super Skrull dégueulasse. Et je comprends même pas la logique du Super Skrull ici, tu vois. Parce que quand les Skrulls... faisait le Super Skrull avec les 4 fantastiques, tu disais, ouais, il y a un intérêt, il mélange le pouvoir de feu, le pouvoir d'invisibilité, le pouvoir de pierre et le pouvoir d'élasticité et tout, ça offre un grand angle de combat, mais là, il mélange les pouvoirs de Hulk, dont le pouvoir c'est la super force, le pouvoir de Drax, dont le pouvoir c'est la super force, Captain America, dont le pouvoir c'est la super force, Groot, dont le pouvoir c'est... taper fort et d'avoir des longs bras. ça perd un petit peu de son intérêt quand tu fais que mélanger super force, super force, super force et super force, tu vois.
Voilà, c'est le coup de mélanger tous les pouvoirs, ça marche pour les 4 Fantastiques, mais ça marche pas trop pour les Avengers. Genre, tu vas mélanger quel pouvoir? Le pouvoir d'avoir des gadgets comme Tony Stark? le pouvoir de porter un marteau comme Thor? Déjà, je trouve qu'ils ont un petit peu triché avec les Gardiens de la Galaxie, parce que je me demande, ok, comment ils ont eu leur ADN à eux? Genre, durant la bataille de Endgame, t'as Nick Fury qui est passé derrière. Ok, je récupère ça. Ça peut servir pour mon truc. Non, vraiment, c'était nul à chier, quoi, leur utilisation du truc. C'est de loin le pire truc que le MCU a fait. Hein. Y en a qui disent Marvel, y en a qui disent She-Hulk. Non, non, non. Au moins, ceux-là, il y a quelques idées qui fonctionnent bien. Il y a un petit peu de fun. Il y a un côté, au moins, qui est bon esprit, tu vois, ils essayent au moins d'être divertissants, là où Secret Invasion, ils se prennent trop au sérieux, et au final, ils rendent leur morale encore plus douteuse, là, donc... Secret Invasion, si on peut l'oublier, la décanoniser et tout... En fait, j'ai l'impression que The Marvels a déjà oublié Secret Invasion. Genre, leur façon d'écrire Nick Fury n'a absolument rien à voir avec le Nick Fury de Secret Invasion, et la situation avec les Skrulls, ça rend les Skrulls qui se plaignent qu'ils n'ont pas leur propre planète encore plus conne, parce qu'ils ont leur propre planète. Captain Marvel leur en a confié une apparemment depuis un moment. Donc vraiment l'autre connard qui fait la guerre avec la Terre, qu'est-ce que tu fous? Non vraiment Secret Invasion, nul à chier, hein. La série Agatha arrive bientôt. Ouais, pas des masses convaincus par celle-là. J'avais fait une petite réaction à ça. Il y a un côté hocus pocus que les gens ont l'air de bien aimer, tant mieux, mais moi je suis pas emballé, surtout que c'est pas la partie la plus intéressante à explorer du MCU pour le moment, hein. Vraiment, c'est faut le dire, Agatha, ils font la série uniquement parce que le générique est devenu un mème. Voilà, c'est le faux générique qu'ils ont fait que pour un seul épisode, c'est devenu un mème populaire, boum, on fait une série là-dessus. C'est le seul intérêt, quoi. Capitaliser sur un même. Ouais, 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 bah c'est typique de Kevin Feige en vrai. Hein. Ah, par contre, Ironheart, où est-ce que ça en est? Parce que Ironheart, je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire, mais du coup, je suis un peu plus intéressé sur quelles idées ils vont proposer avec celle-là, tu vois. Une série qui a besoin d'une saison 2, c'est le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Bah, la saison 2, on va la voir à travers les films Captain America 4 et Thunderbolt. Donc, il n'y a pas vraiment. C'est un peu le problème avec certaines de cette série, c'est que si tu regardes bien, ce sont juste des films qui ont été coupés en plusieurs morceaux pour en faire une série parce qu'ils étaient pas sûrs que ça allait ramener beaucoup de monde en salle. Voilà, c'est ça. Ils n'avaient pas trop confiance que Falcon, il allait tenir un film à lui tout seul, donc du coup, ils lui font une série Disney+, et on verra ce que ça donne. Pareil pour Wanda et Vision, pareil pour Loki et tout, alors que putain, Loki, vous avez cru qu'un film ça marcherait pas, vous êtes sérieux? Ah, je pense qu'on est dans la bonne direction là pour le moment. Ouais, je crois que ça nous ramène à la... Ouais, on approche de la bonne direction. Donc ouais, Daredevil, ouais, ça a l'air pas mal. Peut-être pas aussi bien que la série Netflix, mais au moins ça essaye d'avoir un peu de gueule. Ah, par contre, moi, j'aurais rien contre une saison 2 de Moon Knight, tu vois. La première saison de Moon Knight, elle était mi-figue, mi-raisin, mais il y avait un potentiel pour faire des trucs sympas pour la suite, quoi. Sans spoiler, Loki saison 3, c'est improbable. Ah bah, vu comment ça finit, ouais, je me doute bien que c'est improbable. c'est déjà une exception qu'il ait eu une saison 2. Ça m'a étonné, sur le coup, quand ils ont annoncé ça. Je pensais que, comme les autres séries, ça allait être une seule saison pour raconter son histoire et basta, mais non, Loki a eu droit à sa saison 2. Ok, cool. Et à côté de ça, ils ont annulé Diaconi. De quoi? Ah, et à côté de ça, ils ont annulé la saison 2 de Diaconi. J'ai pas entendu le titre de la série, excuse-moi. C'est pas Diaconi, c'est plus le nom de la série de Star Wars, là. Ah, Diaconi, ouais, ça, Diaconi, c'était vraiment dommage, parce que, pour le coup, il y avait vraiment de super idées, il y avait des super scènes et tout, les personnages étaient fascinants, mais, voilà, ça a pas suffisamment bien marché, pas de saison 2, alors que, clairement, elle avait bien besoin d'une saison 2 pour... pour explorer ce qu'il mettait en place. Je préfère la saison 2 de Loki à la saison 1. Oh bah, la saison 1 de Loki, le problème c'est qu'il y a beaucoup de mise en place. Voilà, donc forcément
c'est un petit peu laborieux et la saison 2 c'est là où ils se permettent d'être un peu plus fun et de montrer dans quelle direction ils allaient avec cette histoire quoi. Et aussi c'est la saison où ils ont vu Everything Everywhere All At Once. Forcément, s'ils en ont un petit peu profité, je pense. Non, même She-Hulk, tu vois, je trouve que She-Hulk y aurait plus de matière pour une saison 2. Pareil que Moon Knight, c'était mi-fig, mi-raisin, She-Hulk. Mais il y a une bonne base pour faire un truc sympa pour d'autres situations, voilà, d'autres affaires de tribunal, avec des éléments super-héroïques, voilà, de meilleures idées par-ci, par-là. Et d'autres commentaires méta, bien sûr, hein, parce que c'était un petit peu son truc aussi. Honnêtement, j'étais plus intéressé par ces deux aspects-là que par l'aspect le complot qui est des incels qui essayent de piquer le pouvoir de Hulk et tout. Je comprends pourquoi ils l'ont raconté, c'est juste que j'étais moins dedans que le reste des trucs, quoi. Moi, j'espérais avocat de super-héros et tout, mais malheureusement, ils n'avaient pas l'air d'avoir énormément d'idées là-dessus, au final. Et ben, effectivement, on a beaucoup de senteurs, hein. Vivons qu'on débarrasse. Oh, la vache. Et j'espère que j'ai intérêt à bien monter de niveau là, à partir de là, parce que là, ça commence à y avoir beaucoup, hein. Moi, j'ai vu hier Everything Everywhere All At Once. Bah oui, je crois qu'il est qu'il passe sur France Télévisions et que du coup, il est gratuitement sur leur site là, donc ouais, profitez-en hein, parce que c'est un excellent film. Voilà, créatif, exploite bien le concept du multivers, autant en termes cinématographiques qu'en thématique et tout. Non, franchement, c'est une vraie pépite et je considère toujours comme un des meilleurs films de ces dernières années. Hâte de voir le prochain film des Daniels. Et hâte de voir Michelle Yeoh qui n'aura pas la carrière qu'elle mérite encore une fois, parce que le reste d'Hollywood sait pas quoi faire d'elle. Alors ça c'était quoi déjà? Ah oui voilà, oui, non, on va annuler, c'est pas ce que je veux. Voilà, oui, on l'a fait dans un sens, ça suffit. Voilà. Par contre, Son of Freedom, what the fuck Bolloré. Ah bah Bolloré il continue sa propagande de l'extrême droite américaine, hein, comme toujours, hein. Ça on l'a compris, c'est. Honnêtement, j'ai envie de dire Son of Freedom c'est pas pire que la fois où il a carrément mis un film de propagande anti-avortement. Là c'était vraiment le. Oh non. Ah bah à force de parler j'ai pas fait attention à l'autre oiseau, je me suis pas mis le bouclier, voilà ça arrive. Voilà, bon là on va prendre moins de risques, voilà on va faire venir Clochette, voilà. Mais en vrai Son of Freedom déjà c'est un film moins pourri que Unplanned, tu vois. Au moins Son of Freedom il y a un vrai réalisateur derrière, il y a quelqu'un qui essaye de raconter un truc, qui a un sens de la photographie, de la belle image. Et qui, en soi, si tu le sépares de la propagande QAnon, le film, il est regardable. Voilà, c'est un film de policier classique, d'un mec qui est déterminé à sauver une gamine parce qu'il a été touché par la situation du père et tout. En soi, voilà, c'est un film qui aurait pu être innocent, mais dans le contexte du connard qui, en plus, est avéré être un harceleur sexuel. Et du fait que le mec, dans le film, c'est cool de voir le mec organiser des fausses ventes d'enfants esclaves pour piéger des pédophiles, mais dans la réalité ça met en danger des gosses, voilà. c'est pas le meilleur des plans, c'est pour ça qu'il a interdiction d'exercer aux États-Unis. Ça a planté ou ça commence à revenir là? Alors là on a une pub, c'est revenu. C'est revenu, d'accord, bah c'est ce qui compte. Donc du coup, pas faux, mais là il fait plaisir aux complotistes QAnon. Mais là, ce qui est raconté, c'est juste des mensonges du mec. Oui, bah c'est Ballard qui raconte sa propre histoire, bien sûr, hein. Il arrange le truc pour montrer, oh, regardez comme je suis un mec torturé et tout. Ouais, non, quand tu sais que c'est pratiquement autobiographique comme film, tu te dis, ouais, non, le mec, il fait ça pour nourrir son ego, là, c'est... Mais quand t'enlèves de ce contexte-là, c'est regardable, c'est tout ce que je dis, voilà, c'est... J'espère juste que le réalisateur, lui, va pouvoir se tirer de cette merde et... profiter de... J'espère que ce film va pas gâcher sa carrière et qu'il va pouvoir continuer à faire des films de son côté. Parce que pour le coup, le réal, il a l'air intéressant. Voilà. C'est le seul truc où je respecte un petit peu le film. Et encore, ça sauve pas, bien sûr. Hein, Et merde. Bon, j'en ai marre, on trace. Bon, faut que je renvoie Clochette, hein. Voilà. Non, cassez-vous. J'ai dit, cassez-vous.
Voilà. Mais voilà. Voilà, non, non, j'en ai marre, j'ai déjà fait, hein, bye. Ah, voilà. Oui, je peux faire ça depuis le début, c'est juste que j'essaye de profiter pour les XP, quoi. C'est juste que là, bon, c'est bon, hein, je vous ai déjà buté, marde. Marde, oui, nouvelle insulte. C'est merde en espagnol, je crois. Voilà. Là, je veux bien buter ceux-là, hein. Je risque pas de tomber dans le vide, normalement. Oula. Voilà. Allez, viens là, viens là, viens là. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est calmé, chapelle. Voilà, là, ça va. Là, on va être tranquille. Voilà, on peut voir que Nomura faisait déjà la scène de Ralph 2, là, comme vous pouvez le voir. Niveau 52, voilà, ça avance. Nous t'attendions, maître de la Keyblade. Où est Ansem? Il s'est volatilisé. Quand la serrure est apparue, les ténèbres se sont répandues. Elles ont englanti Ansem et il a disparu. Bien qu'Ansem ait disparu, le flux des ténèbres ne s'est pas arrêté. Nous joignons nos forces pour le contenir. Je n'oublierai jamais son regard. Alors, elles ont autre chose à dire par hasard? Je pense qu'Ansem ne reviendra jamais. Oh, on va faire en sorte! Ansem nous laisse tranquille depuis que la serrure est apparue. Bah, ok. Alors, par contre, je vois toujours pas de nouveaux commentaires dans le chat. C'est normal, ça? Le dernier que je vois, c'est salut à tous. Bah, moi, j'ai pas faux, mais là. T'es peut-être sur Twitch. Ouais. Ah, j'en ai eu un. Il y a quelqu'un qui dit oi. Ah, toi, tu reçois encore les. Ah, en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai allumé Twitch, donc je regarde sur Twitch. Ah, oui, voilà. Alors, non, oui, là déjà, je vois qu'il y a un commentaire que j'ai failli louper. Au fait, je voulais te demander aussi, as-tu des attentes particulières pour le Superman de James Gunn? Un super film qui montre à quel point Superman, c'est un personnage wholesome. Moi j'ai pas beaucoup d'exigences sur ce film. Je fais confiance à James Gunn pour faire un truc un petit peu wholesome, voilà. Au vu des interviews, il a l'air de comprendre le personnage de Superman et tout. Et tu vois, malgré le fait qu'on retient de lui surtout la façon dont il fait des personnages de loser et tout, bah dans ses derniers films, tu sens un petit peu il y a un petit truc qui fait que il peut faire un truc intéressant avec Superman. Sora, dépêche-toi, les ténèbres se répandent par la serrure. On fait notre possible pour contenir les ténèbres. J'ignore combien de temps on pourra résister. Très bien, j'y vais. Nous comptons sur toi, maître de la Keyblade. Nous ferons de notre mieux. Voilà, et sinon vous avez rien de me donner ou quoi? Tu ne ressens pas l'immense pouvoir qui déferle de la serrure? Bouf. Il faut sceller la serrure avant qu'il ne soit trop tard. Oui, oui, oui. Et toi, après, faut que tu rentres, hein. Dépêche-toi, nos forces diminuent. Ouais, 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 ouais. C'est bon, j'y viens. Ça traîne un petit peu la connexion là aujourd'hui. Hein. J'espère que ça va pas trop gêner la rediff, hein, mais. Voilà. Voilà, il y avait que lui apparemment, c'est cool. Donc c'est parti pour le grand hall. Évidemment. Voilà. Oui, hein. Viens là, toi. Allez. Ah, j'aime pas quand elle se téléporte. Voilà. Oula. Attends, quoi? J'ai un ennemi invisible, apparemment. Alors, voilà, le machin invisible, là. Ouh, la vache! Il fait mal, le machin invisible. Bon. Je pense qu'on va ressortir Clochette, hein. Je suis obligé de la sortir pour des ennemis à la con, quoi. Vous êtes chiants, les gars.
Voilà, on se débarrasse de cela. Allez, 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 dépêche-toi de mourir, s'il te plaît. Merci bien. Voilà. Attends-tu la série Zoro avec Jean Dujardin? Non. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais genre non. Apparemment, elle est déjà en cours de diffusion sur Paramount Plus, là. Et le premier épisode, c'est genre, ouais, il essaye de refaire OSS 117, mais avec Zoro. Honnêtement, je suis plus intéressé par la série ou le film. Je sais plus si c'était soit l'un soit l'autre. Mais il y a une production mexicaine de Zoro qui a l'air pas mal du tout. Ça a l'air bas budget à donf, hein, mais ça a l'air sympa. Voilà, alors. Voilà, PC Max pour Dingo, parce que c'est lui qui prend tous les XP apparemment. Salaud, hein. Voilà. Alors apparemment l'ennemi invisible n'est plus là, c'était peut-être un bug. Ou alors il arrive dans quelques instants, je sais pas. Alors, il n'y a plus de Romain. Très bien. Voilà, là, on enchaîne. Ouh, le joli coffre qu'il y a là, tiens. C'est vrai qu'il y a des petits trucs à récupérer ici. Est-ce qu'il y en a un qui a des dalmatiens ou quelque chose? Ce serait sympa, ça. Hein, d'abord, je me débarrasse de ces saloperies. Alors. Bonsoir MJ, ça va bien? Alors cette forteresse oubliée, on en voit le bout. Eh ben comme tu le vois, je suis dans la dernière salle avant d'en finir. On y est presque. Bon. Allez, tu dégages, toi, tu dégages. Voilà. Bon. Je vais prendre le risque de renvoyer Clochette là maintenant, juste pour ouvrir le coffre. Voilà. Ah oui, tu peux pas l'ouvrir avec une invocation. Mathien. Oui, bah oui. Oui, quand t'es en mode attaque, tu peux pas ouvrir les coffres. Et vous faites tout ce chier. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un autre coffre. Ok, j'espère que ça va être un truc intéressant vu comment il est positionné. Ah là là. Aïe. Heureusement que pour l'instant, il a l'air tout seul. Voilà, donc ça va être vite réglé, j'espère. Voilà. Ah, Donald est encore mort. C'est pas nouveau. Dango est un peu faiblard là. Ouais, ouais, bon. Pff. Merde à la fin. Hein. Vous êtes le plus fort. Souvenir perdu. Alors, ça, c'est l'autre Keyblade ultra populaire. Est-ce que ça vaut le coup de l'avoir? Ah, ça fait encore baisser les MP, mais putain. Moi, j'ai besoin de mes MP là-haut. Ouais, on va rester sur le temps de promesse parce que je préfère le symbole. Voilà. Et hier, oui, souvenir perdu, elle est classe comme Keyblade, mais voilà quoi. Ah, il y a un autre coffre ici. Qu'est-ce qu'on a là cette fois? Et on a les derniers dalmatiens, ah, mesdames et messieurs. Ah oh. Voilà, on en finit avec toi. Voilà. Et je viens d'avoir le trophée Steam. Je viens de voir la notification. Voilà. C'est officiel sur la version Steam. J'ai les 99 chiots. Voilà. D'ailleurs, souvenir perdu est une petite couronne comme celle que porte son cou. Ouais, ouais. Je sais plus s'il y a quelqu'un qui a expliqué c'était quoi l'histoire derrière cette Keyblade et tout, mais le fait que Roxas ait le souvenir perdu et la tendre promesse, c'est assez intéressant, tu vois. D'ailleurs, je sais plus si ça a été expliqué le secret derrière ce symbole de couronne. Si c'est juste le symbole pour représenter Sora ou s'il y a autre chose derrière, quoi. Voilà, dépêche-toi de dégager. Voilà, merci pour les bibules. Allez. Voilà. Ok, bon, j'ai compris. Ah non, faut que les autres qu'on soit en vie, merde. Yeah. Alors... Putain de va te faire foutre! Oh
putain, allez. J'ai pas compris. Bah, je me suis pris un projectile à la con. Bon, on va nettoyer, là. Là, on va bien nettoyer comme il faut. Ouais, j'ai jamais équipé souvenir perdu, elle est moins équilibrée pour les chiots. GG pour les chiots, ah bah merci. Voilà, est-ce que je les ai toujours ou est-ce que je vais devoir réouvrir les coffres? Voilà. Merci Donald pour le stop. En ça me laisse le 2 secondes. Je reviens après avoir déposé les chiots. L'autre va... C'est un petit peu ce qu'on va faire en vrai, hein. Tu rigoles, mais c'est ce qu'on va faire, hein. Voilà, on va nettoyer la forteresse oubliée, on va repasser à travers, on va déposer les chiots pour profiter de la dernière cinématique avec eux. Et après, soit on fait le dernier monde, soit on fait un petit peu de ce qu'il y a autour. Je garantis pas d'avoir le niveau pour les boss cachés pour l'instant, donc il y a des chances qu'on garde ça plutôt pour une prochaine fois. Ah, tu vas farmer. Oui, oui, voilà, faudra que je farme pas mal, là. Je pense que, juste pour le fun, je vais montrer un certain boss caché, juste pour le... Juste pour la réaction. Voilà, PC Max, case accessoire, c'est cool. Allez, allez, chacun ses priorités en soi, les chiens passent à voir la survie des mondes. Exactement, priorité aux chiots. Léon serait d'accord. Alors là, déjà, je vois qu'il y a un coffre toujours fermé, là. Ça commence bien. Allez, voilà, voilà. Ça apprendra à mettre en mode expert. Ouais, ouais, faudra que... On va d'abord nettoyer tout, voilà. Comme ça, on n'aura pas besoin de s'emmerder avec Clochette après. Et merde. C'est un peu le bordel quand même. Totalement, ouais. Électricité de merde. On a rien dit concernant les gamers et tout, on ne peut rien à dire sur Minecraft. Il y a une polémique sur l'une des actrices. C'est toujours le tour. Genre, Osef, non, mais il manque qu'elle a un bon jeu d'acteur. Vraiment, même là, ils vont se plaindre qu'il y a une femme noire dans le film. Et putain, les gars, ça se voit à force que vous savez pas critiquer des films. Alors sans décoller, c'était vraiment le pire truc de la bande-annonce, hein, vraiment, hein. C'est pas les fonds verts dégueux, c'était pas les créatures dégueux, c'est pas le fait que Jack Black et Jason Momoa ont l'air d'être dans un sketch à Saturday Night Live, non, 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 c'est le fait qu'il y ait une femme noire, mais bien sûr, mais putain, mais Clochette est morte. J'ai pris tellement de dégâts que Clochette a dépassé le truc. Bon, heureusement, là, ça devrait être tranquille, je pense qu'on a bien tout nettoyé. Ah non, pas encore, putain. Je vous hais tous. Putain, il y en a trois maintenant. Ah mais... Allez. Voilà. Voilà. Voilà, dépêche-toi de mourir, toi, vas-y. Dépêche-toi de mourir. Allez. Dépêche-toi de mourir, toi aussi. Allez, tout le monde. Alors. Allez, allez, allez. Voilà. C'est bon, on est enfin calmé par ici. Voilà, donc. Nous reprenons en priorité les chiots. Voilà. Ah bon, et bien tu auras complété deux fois les la quête des 100 dalmatiens. Ouais, ouais, bon, je vais pas regagner le trophée une fois, ça suffit. Ce serait un petit peu de la triche et ça servirait à rien. La souvenir perdu en poche. Et la matière noire, voilà. J'arrive sur Dépêche-toi de mourir. Bon, ok. Ouais, 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 t'en fais pas, c'était pas pour toi, mec. Voilà, donc on n'est absolument pas prêt, donc je vais balancer un méga élixir pour être sûr. Voilà. Abîme des ténèbres, rien que ça. Ah,
Ça donne très envie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh bah, si tu connais Final Fantasy, tu dois connaître ces créatures-là, c'est un behemoth. Ah mais oui. En version choupi comme les autres 100 coeurs, mais voilà. Oui, effectivement. Bon, ah, normalement, il est facile comme boss, mais on point où j'en suis, on sait jamais, hein. Voilà, ça commence bien déjà. Voilà. Ah, mais laisse-moi monter sur... Voilà. Allez. Oh, c'est maintenant qu'il a décidé de faiblir. Oh. Oula, mais il a combien de barres de vie? 5 ou 6, je crois. Voilà, c'est soin que je voulais faire, imbécile. Bah, il a des attaques un peu à la Ganon dans... C'est vrai qu'il fait un peu Ganon dans Ocarina of Time, maintenant que tu le dis. Ouais. Là, sa forme finale, là. Le truc contre-productif pour Percy sur Twitch, un viewer arrive et dépêche le bourreur. Ah non, mais c'était pas dirigé vers mes viewers, ça va. Quand c'est vers les ennemis, là, ça passe mieux quand même. Voilà. Incroyable, aucun de mes compagnons n'est mort pour l'instant. Incroyable. Non, mais effectivement, il a l'air assez mieux comme boss. Oui, c'est juste un sac de PV, le machin. Hein. Il est pas très rapide, ses attaques peuvent faire mal, mais seulement si tu fonces dessus comme un con. Voilà. Il est très simple, comme. En fait, au bout d'un moment, c'est même plus un boss, c'est juste un ennemi de base, à un moment. Mais what? Il y en a déjà. Les critiques sur Joker 2 sont mixtes, ouf. Ah, bah déjà, l'effet Joker, ça commençait déjà à se calmer, là, genre, autant il y avait beaucoup d'engouement pour le premier film, là, ça commence déjà à se remettre en question et à se dire, ouais, finalement, peut-être que le Joker était pas si mal que ça. Je trouve que c'est quand même un objet cinématographique très intéressant et une exploitation assez sympa du mythe de Joker et tout, mais voilà, quoi. Non, le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que certaines critiques, tu vois, ils essayent toujours de juger le film Joker comme un film de super-héros, comme faisant partie de l'univers de Batman et tout, alors que moi, clairement, je le vois qu'ils sont pas dans ce délire-là. Genre, ils utilisent la figure de Joker et d'Harley Quinn de la même façon qu'on utiliserait une figure mythologique pour parler d'un problème social ou d'un truc comme ça, tu vois. Donc, moi, je vois pas ça comme une adaptation de Batman. Je vois ça comme une figure, un drame psychologique où t'as un personnage qui se réfugie dans la figure du Joker et tout, voilà. Donc, je trouve ça déjà plus intéressant. Qu'est-ce que vous faites ici? Parce que c'est sûr, Joker, faut pas s'attendre à du respect du lore de Batman du tout. Clairement, c'est pas le délire. On est venu avec le vaisseau de Sid. Nous avons passé notre enfance ici. On voulait revoir cet endroit. Il est dans un sale état, pire que je ne craignais. Ça n'a plus rien à voir. Mais surtout, je dois savoir, est-ce que t'as sauvé les chiots? Oh bah là, j'ai les 3 derniers. Ouah, tu peux pas imaginer à quel point je suis content de t'entendre dire ça, toi. Quand même que c'est un endroit un peu spécial pour élever les enfants. Non mais il faudra reconstruire, hein. Ne t'en fais pas, si nous battons en SEM, tout redeviendra comme avant. Voilà, même chose pour votre île. C'est vrai? Mais ça veut aussi dire qu'on ne se verra plus. Pourquoi? Lorsque les mondes renaîtront, ils seront à nouveau séparés. Ah oui. Chacun retournera d'où il est venu. Temporairement. Spoiler. Alors je viendrai vous voir avec le vaisseau Gummy. Ce n'est pas si simple. Avant, tu ne savais rien des autres mondes, pas vrai? Car tous les mondes étaient isolés. Des murs infranchissables les séparaient. Les sans-cœurs ont détruit ces parois. Mais si les mondes renaissent, les murs réapparaîtront. Ce qui rendra les vaisseaux Gummy inutilisables. Sauf si on trouve une technique d'ouverture, de machin, truc, voilà. Oui, voilà. Tu veux donc dire que jamais nous ne... On se reverra pas avant le prochain jeu. Même si on ne se revoit plus, jamais on ne s'oubliera. Peu importe où nous sommes, nos cœurs nous réuniront à nouveau. Elle a vraiment du mal à lire son texte, la pauvre meuf. Même si je le voulais, je ne pourrais pas t'oublier. Hey, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Jamais on ne s'oubliera, on en reparle dans KH2. Spoiler! Sora, je demanderai au docteur de me déposer. Oui, à force. Est-ce que Doctor Who fait partie du canon de King of Mars? Pas encore. Barney est de retour. Ah ouais, putain, j'ai vu ça. Ils refont un dessin animé sur Barney le dinosaure. Ok. Genre, c'est... ça a toujours été le personnage pour enfants le plus détesté ever. C'est vraiment le mec qui a les droits de Barney les dinosaures, qui savait pas quoi en foutre, et qui se dit, bah tiens, je vais essayer de faire un truc pour attirer les familles, mais genre... Pff, voilà, quoi. Merci, Sora. Je crois qu'ici, les ténèbres commencent à faiblir. Mais je sens que les ténèbres se rassemblent loin de nous. Au cœur des ténèbres. C'est là qu'Ansem a dû se rendre. Prenons le vaisseau Gummy et partons affronter Ansem et les Sans-Cœurs. Excellente initiative, maître de la Keyblade. Nous t'offrons ce pouvoir pour t'aider dans ton combat. Essence du feu, Brasix, yes! Sora, seul ton courage fera renaître nos mondes. Une fois les ténèbres disparues, tout devrait revenir à son état normal. Vous croyez que Kairi retournera sur l'île? Certainement, et toi aussi. Je ne peux pas rentrer avant d'avoir trouvé Riku et le roi. Ah oui, le roi, on l'avait un peu oublié dans ce bordel. Bon, détail. Oui, oui, ah, ça va, Disney peut survivre sans Mickey. Hein. Je suis désolé d'avoir contribué à la création de la serrure. Meuf, t'as été kidnappée, quoi. C'est pas ta faute. Dire qu'on avait autant de pouvoir, c'est inimaginable. Mon monde a disparu et je dois rester ici pour l'instant. C'est vrai que, putain, ça doit être quelque chose pour Cendrillon. Mon plus gros enjeu, c'est est-ce que ma belle-mère va me laisser épouser le prince, là? Et maintenant, oh, je dois sauver les mondes avec mon pouvoir magique que j'ai depuis la naissance, what the fuck? Maléfique vivait dans l'autre monde, les Sans-Cœurs obéissaient à son pouvoir, mais pour finir, ce sont eux qui l'ont contrôlé. C'est vrai que ça doit faire tout bizarre et tout, là. Tant que les ténèbres seront là, nous resterons, sinon ce monde sera détruit, on fera tout ce qu'on pourra, voilà. Ne dis rien à Linda, s'il te plaît. Sinon, il se fera un sang d'encre. Je lui raconterai une fois de retour à Agrabah. Mais du coup, tu y retournes maintenant ou... Les ténèbres ont pris mon monde, je ne sais plus où aller. J'espère que mes amis sont en sécurité. Je ferai tout pour mon possible pour que ce monde ne soit pas emporté lui aussi. Voilà, donc là, il y a toujours rien. Alors, avant de partir une bonne fois pour toutes, je vais faire un dernier petit tour dans les sous-sols. Au cas où on aurait raté un truc. Voilà. Désolé si tu as déjà répondu, mais est-ce que t'as vu Trap? Alors oui, j'ai vu Trap, je sais plus si on en a parlé en live. Et c'est pas mal, c'est divertissant. C'est juste, je trouve un petit peu dommage qu'il abandonne son concept en milieu de film. Bah c'est tout le truc de le serial killer qui est piégé dans un concert qui s'avère être un piège par la police et tout. C'est un super truc, mais à un moment il se dit, ouais non, je vais pas pouvoir tenir 1h40 là-dedans. Faut qu'il aille dans un autre décor à un moment, faut que on aille chez lui, qu'on voit sa famille et tout, et que on emmène la chanteuse et tout. Ouais, c'est un petit peu dommage. Le reste est pas mal, mais c'est pas le meilleur de Shyamalan, je trouve, malheureusement. Non, malheureusement, je trouve qu'on est dans une période où Shyamalan, il se limite. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est à croire qu'avec toutes les critiques, il a fini par se dire « Ouais, bon, ok, je vais arrêter d'être moi-même et je vais être un réalisateur serviable dans des genres de thrillers et tout. » Et je trouve ça vraiment dommage. Je préférais quand il étalait sa personnalité avec tous ces moments un petit peu inconfortables et tout, comme dans La jeune fille de l'eau ou même Le phénomène et tout. Ouais, c'est dommage. Par contre, on n'expliquera jamais quels sont exactement les pouvoirs des princesses de cœur. Bah, posséder une lumière qui peut servir à ouvrir la porte des ténèbres et tout. Ouais, c'est très vague, c'est sûr, mais bon, comme pas mal de choses. Ah, le dernier trio, parfait! Ah. Voilà, Walloum. Voilà, pavillon et la potion, on est pas mal. Donc, voilà, c'était du lâcher comme récompense, mais au moins, on a fini les trios. Ah, tu vois, il y a un petit marqueur pour dire qu'on a sauvé tous les chiots. Et les marques au trio. Ah non, il manque un truc. Ah oui, il manque encore un trio saut. Ah bon, d'accord, pardon. On n'a pas encore tout à fait fini, donc je vais explorer un peu plus, on sait jamais. Mais il y a des chances que le dernier trio, ce soit dans le dernier monde.
Attends, quoi? N'oublie pas de parler à Iris pour... Ah oui, c'est vrai, la dernière page. J'avais oublié la dernière page, excuse-moi. Écoute, je pense qu'on va trouver un point de sauvegarde et... faire directement passage d'un point de sauvegarde à l'autre, histoire de gagner du temps. Parce que je vais pas tout me retaper, j'ai descendu quelques étages quand même. Hein. Voilà, donc là... Je crois qu'il faut passer par la bébule si je me souviens bien, ouais... Et là... Non, la plateforme, elle marche pas. Ah, voilà, elle marche maintenant. Parfait. Ah oui, voilà, je vois qu'il y a un coffre quelque part par ici. Hein, c'est un coffre ou c'est un truc, non? Je crois que c'est un coffre, non? Non, je vois plus, là. Bon, alors ça, normalement, c'était pour actionner... ouais, c'était la tour de l'autre côté, donc c'est pas la peine. Par contre, ouais, non. C'est pas par ici qu'on va pouvoir avancer. Donc, ok, on y retourne. C'est un peu labyrinthique, en effet. C'est un peu tout l'intérêt. Hein? Ah oui, non, non, pardon, 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 pardon. J'avais oublié. J'avais oublié. Voilà. Être incorruptible, j'imagine. Ouais, quelque chose comme ça, ouais, ça... Ça doit être les quelques êtres dans cet univers qui ne peuvent pas être touchés par les ténèbres, c'est possible. Hein. Un jour, je ferai un mode pour ce jeu qui utilisera l'imitation de Mickey par mon pote Freddy avec son fabuleux « Écoute-moi bien, j'ai racheté Lucasfilm, Marvel et la Fox. Je peux acheter ton cul si j'ai envie. » What? Alors, et ça, c'était quoi? Ça actionnait quoi, ça, déjà? Ah, mais... Hey, attends. Ah, non, non. Ouais, non. Non, attends. On va essayer un truc. D'abord, on le remet là. Ah oui, mais non, ça va pas faire... Ouf, oui, bon. Bon, attends. On va le laisser comme ça. Peut-être que si on repasse par un des trucs, ça va passer. Mais voilà, là, je pense qu'on peut pas passer directement par ici. Là, est-ce que j'ai loupé un autre truc Attends, ça, c'est quoi? La plateforme qu'il y a là? Ouais, je crois qu'elle descend à un moment, celle-là. Hein? Écoute, on jouait à un autre jeu Disney, aucune idée duquel, je me souviens plus, mais il avait sorti ça, il vit très bien Mickey, c'est flippant, ok. C'est dans South Park, ça, non? J'ai l'impression qu'il y avait un truc comme ça dans South Park, tout à fait. Ah, donc on va essayer. Hein. Et concernant la polémique du film Minecraft, on incarnait un Mexicain dans le jeu à ses débuts. Avant qu'ils ajoutent d'autres skins, donc le jeu est woke bien avant ce que la mode de sortir ce mot. Ouais, ouais, ça, je vois la situation, ouais. Comme toujours, hein, ceux qui prétendent qu'il n'y avait jamais de minorité dans les jeux. Hein. Ah, il y a un coffre là-haut aussi, hein, faudrait peut-être le récupérer aussi. Non, c'est faux. Hein. Plot twist, mon pote est scénariste chez South Park. Ah, ouais, d'accord, c'est à ça que tu disais, non, c'est faux, d'accord. Voilà, donc le coffre qu'il y a juste là. Et toi, c'était quoi déjà? Ça n'a plus d'effet. D'accord, j'ai déjà actionné du coup. Voilà, il n'y a rien. Ok, donc on passe par ici. Hop. Voilà, donc peut-être que là, on a un truc. C'est quoi l'intérêt pour Maléfique de faire un labyrinthe dans la forteresse? Je crois que le labyrinthe était déjà là de base. Parce que, pour rappel, Maléfique, elle a juste récupéré le taudis, quoi. Hein? Ouais, non, c'est pas par là qu'il faut passer. Comment est-ce qu'on passe par ici, déjà? Bon, au pire, j'essaierai de faire ça au prochain nettoyage. Je vais vous épargner un petit peu tout ça. Du coup, en attendant, on va aller surtout récupérer Iris. On va passer par le point de sauvegarde qu'il y avait là-bas, du coup. Ça va. Putain, Maléfique et David Bowie. Écoute, tu sais pas à quel point c'est cool d'avoir des labyrinthes, tu peux pas savoir. Voilà, donc du coup, vaisseau, tac.
En fait, dans le 1 comme dans le 2, Maléfique se contente de squatter les forteresses. Exactement. Voilà, et du coup, ça ouvre, sceller la serrure de la forteresse oubliée, c'est fait. Il paraît qu'il y a des tournois au Colisée de l'Olympe. Je sais. Fais attention, c'est bien plus dangereux qu'avant. Je sais. Je sais. Alors, du coup, voilà, c'est dans la chapelle qu'on doit passer. Belle, c'est sympa d'essayer de trouver des solutions, mais je crois que t'es un peu naïf sur les bords, là, sur ce coup, là. Tu penses vraiment qu'on va trouver un manuel, genre, comment détruire les ténèbres au chapitre 1? Ah bah, écoute, pourquoi pas, hein. Puis on comptait déjà sur le rapport d'Anselme pour expliquer comment faire, on sait déjà comment ça finit, hein. Il est pas... Allez, ils sont pas là. Ah, voilà, Aerith, voilà. Sora, tu devrais lire ça. Ça dit quoi? C'est ce qu'il reste du rapport d'Anselme. Maléfique a dû le récupérer. Rapport d'Anselme 2, rapport d'Anselme 4, rapport d'Anselme 6. Rapport d'Anselme 10, putain. Ça sent qu'on savait plus trop où les placer, les rapports, là. Avant, ce château appartenait à Anselme. C'était un sage très respecté, mais il a sombré dans les ténèbres. Il a réalisé des expériences sur le cœur des gens. Anselme est devenu fou. Tant de souffrance et de destruction, et pourquoi? Et apparemment, il aurait même fait des expériences sur Kairi. On croyait que c'était l'œuvre de Maléfique, mais elle était qu'une des marionnettes des ténèbres. Tout comme Anselme. Les ténèbres sont nos véritables ennemis, mais comment les vaincre? Ça, on cherche encore, là. Et un dernier truc, chaque chose en son temps, commençant par éliminer tous les sans-cœurs que nous rencontrons. Un dernier truc, je ne maîtriserai plus mon vrai nom jusqu'à ce que ce monde renaisse. D'accord, donc il faudra qu'on se réhabitue à ce que à t'appeler Squall, c'est ça? Ouais, bon, voilà. Donc ça, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour, à part quelques coffres et tout. Alors juste, je vais retourner une dernière fois dans la chapelle parce que je voudrais, j'ai une petite curiosité qui me vient là. Et après vraiment on va à traverse. Voilà, on ramène les chiots et tout. Alors je voudrais juste vérifier. Non, il est pas encore là. Ok. Vaisseau Gami. Donc, on retourne à traverse. Steve était mexicain. Ah, pas moi. Il se plaint d'avoir une pub pour Minecraft sur son maillot. Pour le film ou pour le jeu? Parce qu'à la limite, le film, ça pourrait aller, quoi. Ah, bah, je sais pas, c'est bien. Le chat est pas un peu bugué. Ah, le chat. Ah, non, ça a coupé encore, en fait. Pourquoi ça a encore coupé, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ce soir, là? Plus là, il y a Streamlab qui m'informe pas quand ça coupe là, super. Alors juste. Alors, attends, est-ce que ça revient? Ah oui, non, mais il y a une pub. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est revenu. Ok, c'est ce qui compte. Ok. Non, pas aujourd'hui les gars. Désolé. Priorité les chiots! Les petits chiots, oui! Je suis trop content, je m'envole! Voilà, ciao les nuls! Voilà! Alors, comment vous faites pour les crottes? Déjà, ça m'étonne encore qu'on voit le motif du tapis avec tous les poils de chien qu'il doit y avoir. Ouais, il est très demandé, le Sora, là. Ouais, on va pas devoir l'adopter, lui aussi, hein. Ouais, et le dernier cadeau, essence du vent, rafale X, yes! J'ai un meilleur bouclier! Collection complète de blocs gummy, yes! Wow! J'avais pas vu que je pouvais sauter comme ça. Alors, on explore un peu plus pour voir comment ils en sont. Du coup, dans ce jeu, les 99 sont Pongo et... c'est 99 plus Pongo et Penita, ce qui fait 101. Voilà, ça a toujours été ça, les 101 dalmatiens. Oh putain, comment ils vont faire pour les inclure dans Dreamlight Valley, ceux-là? Bonne question.
Ça vaut le coup de trouver tous les chiots? Ah bah, c'est très mignon, t'as envie d'aider toutes ces petites bêtes, et bah ça te ramène quelques bonus en plus, quoi. Puis ça permet de faire le 100% aussi. C'est pas rien, quoi. Alors d'ailleurs, le carnet, il a quelle tronche, là, maintenant? Ouais, là, normalement, j'ai tous les rapports, là. Ça m'étonne que j'ai pas le symbole de Mickey, là. Oh, allez. Je vous fais cela, et après, on rentre, hein. Non, non, le fantôme, non, tu restes là. Tu veux mourir, alors tu me laisses te tuer. Voilà. Non, mais... Ouais, je perds pas de temps, je passe par Merlin. Voilà. Il y a bien des chiens dans la maison, mais où sont les humains qui les nourrissent? Bah, je crois qu'ils se débrouillent, en vrai, hein. Pourquoi ils voulaient 99 chiots? Eh bah, faut voir le film, mon gars. Faut voir le film. Pour ce genre de questions. Bon, ok, je t'explique. Ils en ont eu que 15. Les autres, ils ont été adoptés parce qu'ils ont été tous kidnappés par la même personne. Bon, par contre, je vois que je suis flou, là, sur la caméra. Ça me fait ça souvent, j'aime pas ça. Alors, configurer la vidéo. Voilà. Contrôle. Voilà, concentration. On va enlever l'automatique. Non, l'autre sens. Voilà. Fermé. Voilà, là, c'est mieux. Alors. Bon, c'est juste... Pour voir un petit peu le machin, je pense pas qu'on va faire ça, qu'on va faire la coupe à des tout de suite, parce que comme je disais, voilà, il y en a beaucoup, hein. Wow. Voilà, alors, page suivante, voilà, donc déjà, on commence avec un Behemoth, puis quelques noms d'équipes par-ci par-là, voilà, ensuite, on a le Cerbère, voilà, ensuite encore d'autres ennemis un petit peu variés. Puis on a Cloud et Léon, voilà, encore quelques trucs. Voilà. Puis on a Hadès. Oui, on affronte Hadès. Et le dernier, c'est le Titan de Roche. Donc je pense qu'on fera ça pour un prochain live où on fera un petit peu tout ce qui nous reste en boss caché, en combat et tout. Mais un truc que je voulais vérifier aussi, c'est... Tu connais les règles? Ah! Les trois petits points d'interrogation. T'as vu ce que c'est, Chloé? Ben, je sais pas. Eh ben, je vais te montrer ça. Je sais pas, moi, je me dis peut-être est-ce qu'on peut combattre Mickey, tu vois, mais en fait, non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la bonne question. Mais pourquoi? On est pas dans la merde. D'accord. Oh merde, c'est bien lui. Il est en toi. Et ouais, ça, c'est aussi la première fois que Sephiroth sera joué par Bruno Choël en VF. Et il le double toujours dans les jeux Final Fantasy qui sortent de nos jours et tout. Ah. Voilà, donc bouclier, on sait jamais. Ah, il est pas fort, hein. Hey. Et là, en fait, tu vois que quand... Je suis déjà mort. Voilà. Aussi, tu peux voir que quand je lui tapais, sa barre ne baissait pas. C'est parce qu'en fait, apparemment, les mecs, ils ont oublié de programmer une 9e barre. Ah. Et c'est Sephiroth, pas T. Ah, pardon, oui. Les prononciations, ça change selon quand je les entends, moi. Putain, j'ai cru que c'était Papyrus pendant une seconde, mais what the fuck, mon cerveau. Papyrus. Toi, putain, la référence Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait menu? Mince, j'ai fait menu. J'ai fait menu. Oh, merde. T'as même pas entamé sa barre de vie. Tu m'as fermé le stream. Quoi? Je t'ai fermé le stream? Tu m'as fermé le stream. Okay. Attends, j'ai même pas sauvegardé, mince. Ah non. Attends, je te refais le partage d'écran. T'as merde, on a perdu combien là en fait? Bah, aucune idée. Putain, c'est bête. Attends. Attends, parce que là, on est dans la forteresse, mais du coup... je vais devoir repasser par la salle de lecture. Et repasser... Oui, bah je vais devoir redéposer les chiots aussi.
Bon, pareil, écoute. Ah bah putain, ouais, c'est con. Je suis désolé, mesdames et messieurs. Tout ça parce que j'ai pas sauvegardé, que j'ai appuyé accidentellement sur menu. Oh, je suis désolé. Voilà, donc salle de lecture, voilà. Ah, c'est violent, la touche menu, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va surtout voir Iris, hein. Les autres, ils ont pas grand-chose d'intéressant à dire. Voilà, comme ça, on aura tout le truc. Ce stream, c'est la décadence tout parallo. Oh, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Ah, non, non. J'ai failli faire une séphirance à Iris, là, sur le coup. Heureusement qu'il n'y a pas de tyrannie, là, dans ce jeu. Voilà, donc, vaisseau, c'est ça que je voulais faire. Oui, voilà. Je pense que c'est ça, j'avais le réflexe de chercher le bouton vaisseau, mais comme j'étais pas dans un point de sauvegarde principal, il y était pas. C'est con, mais voilà. Ça arrive, les réflexes. C'est con les réflexes, t'as vu, hein. Je vois le riz, hein. Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter. Est-ce que j'ai loupé des trucs avec tous les matériaux que j'ai récupérés? Alors, synthétisons, qu'est-ce qu'on a? Alors, pas encore d'anneau XP. Ouais, non, on a rien d'encore libéré. Ce sera pour la prochaine fois. Je crois pas qu'on soit encore au niveau. Un quoi, Aerith? Bah, j'ai failli faire une Sephiroth à Iris. Voilà. Bon, alors, comme je disais. Ah! Ça va, c'est. C'est la petite qui nous espionne. Ok, bon, on va se contenter de l'esquiver. Voilà. Donald, Dingo, vous avez cherché la bagarre? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Putain, j'ai Megalovania dans la tête maintenant, et le pire, c'est que je prends qu'à moi-même. Bah oui. Coucou, je viens faire un petit saut pour cette fois, je n'interviens pas vocalement. Bah... C'est sympa de ta part de passer quand même, Johan. Voilà, donc, hop, essence du vent, rafale... Collection complète de blocs gummy, voilà, et on y va. Cette fois, on pense à sauvegarder, on fait pas la même connerie que tout à l'heure. Voilà. Je sais pas ce qui se passe avec Sony, mais avec la situation entre les droits des personnages Lord et Miller qui quittent, pas étonnant que les fans ne veulent que Spider-Man ne parte chez Disney. Comment ça, Lord et Miller, ils quittent? Parce que d'accord, il y a des gens qui essayent de les dégager parce qu'ils traitent mal leurs animateurs, mais je savais pas qu'ils quittaient officiellement, quoi. Spider-Man dans Kingdom Hearts, excusez-moi. Ouais, non. Moi, je suis pas trop... Je sais que techniquement, on a déjà eu des personnages Marvel dans Kingdom Hearts 3 avec Big Hero 6, mais non, moi, je suis pas... Je suis pas joueur. Les personnages de Marvel qui faisaient leur propre jeu au lieu de se mélanger à Kingdom Hearts, quoi, ça. Parce que sinon, ça va faire un petit peu trop le même genre, quoi, tu vois. L'avantage des films Disney, c'est que du coup, on a une variété de genres, quoi. Mais si on commence à mettre du Marvel, ça va être un petit peu tout le temps le même genre, c'est dommage. Puis voilà, ça va être un monde pour tous les héros, là. Donc, choix du monde. Ouais, après Spider-Verse, il quitte Sony. Ah, donc ils vont finir le troisième Spider-Verse avant. D'accord. Bah écoute, bah c'est dommage parce que malgré le fait qu'ils traitaient mal leur équipe, il y avait quand même une intention de pousser un petit peu la créativité, mais voilà. C'est... Si après ils peuvent garder les mêmes gars qui ont bossé sur les Spider-Verse et leur donner la même liberté que qu'ils méritent, voilà, bah on peut quand même donner des trucs intéressants, hein, voir ce qu'ils valent les gens sans Chris Lord et Phil Miller qui les torturent H24, là. Moi, je dis, tout n'est pas perdu, hein. Et puis, Sony, ils peuvent toujours essayer de ressusciter le prochain Popeye pour Tatatoski, hein. Ça serait déjà pas mal aussi, hein. Hein. Mais ouais, après, de toute façon, en termes de film Spider-Man, ils ont un petit peu fait le tour chez Sony, j'ai l'impression. Là, maintenant, c'est juste pour faire chier Marvel et Disney qui continuent à faire des films. Parce que j'avais lu un article qui expliquait que, ouais, chaque fois qu'ils faisaient un film, genre sur Kraven, sur Venom et tout, bah, en gros, ils empêchaient Disney et Marvel de faire leur propre version dans leur film à eux. C'est un peu dégueu, mais bon, au bout d'un moment, est-ce que le MCU a besoin de Kraven? Est-ce qu'ils ont besoin de Venom et tout, là Au bout d'un moment, ils sont pas obligés d'avoir tous les personnages, quoi. Voilà, on passe par là.
Ouais, donc je pense que ce soir on va faire le final du jeu. Et comme je disais, entre deux lives je fermerai, voilà. Et c'est parti, le dernier monde de ce jeu. Voilà, sobrement appelé fin du monde. As du pilotage, je prends dans tous les itinéraires du vaisseau Gummy. Bah nickel, je m'attendais pas à avoir un trophée comme ça, mais merci beaucoup. Et je pensais pas les avoir fait tous quoi. Comic Sans. Waouh. C'est violet. Oui, il est violet, c'est quand tu veux faire un truc un peu plus visuellement intéressant avec les ténèbres, bizarrement. Tous ces mondes revivent et se séparent comme avant. Qu'est-ce qui va arriver à cet endroit? Et à nous? J'en sais rien, je suis pas devin. Alors peut-être qu'il va disparaître. Mais pas de panique. Même si cet endroit disparaît, nos cœurs n'iront nulle part. Je suis certain qu'on retrouvera nos copains. Ouais. Ils ont dû beaucoup se creuser la tête pour trouver le nom du dernier monde. Ouf! Oh, je trouve que c'est classe comme nom de... Je dois lui rendre. J'ai promis. Bon, d'abord, j'ai beaucoup de gens à tuer avec ça, mais après, je lui rends. Voilà, donc. Hey, ça commence. Voilà. Allez, allez. Allez, les petits angelots, allez! Ah! Laisse-moi te. Voilà! Tité! Allez! Voilà! Allez! Bon. Comme toujours, très grande aide les gars, merci. Voilà, et je refais un bouclier au cas où. Ah, j'aime pas quand ils font ça, en plus ils le font à deux, vous êtes chiants les gars. Avec plein de petites flammes de la tête autour de toi, oh. Ça vient de se passer. Oui, on gère, voilà. Là, tu vois, lui, il est presque mort. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir le temps d'ouvrir ce coffre-là? Ah non, non, il s'ouvre pas, celui-là, c'est vrai. Il s'ouvre pas. Il s'ouvre là. Voilà. Voilà, donc, bon, je pense que c'est à partir de là qu'on va commencer à utiliser les fameuses tentes et cabanes et pavillons. Voilà. Voilà. Ça, c'est très pratique. Voilà, donc... Un piège, un piège. Allez, les angelots d'abord, voilà. Voilà, il reste plus que les bouboules. Ah. Eh, hey, tu fais moins le malin maintenant, hein. Jolie pierre. Yes, on a fait tout ça pour un caillou. C'est ça. Jolie pierre. Méga potion. Bon, ça déjà, c'est plus intéressant. Hein? C'est complètement... on dirait un trip sous drogue, ce machin. Un peu, ouais. Ah, c'est un monde qui est censé être en décomposition. Donc forcément, ça donne un petit côté ambigu, sans structure ou ouais, quoi. Ouais, complètement. Ouais, alors voilà celui-là. Alors en plus il a une plus petite barre de vie et en plus j'ai le bouclier qui lui donne des dégâts. Ça va aller encore plus vite que l'autre. Ah tu vois il est déjà ouvert là. Non il a pas moins de temps. Non. Hop. Allez, on est prêts. Voilà, allez, dépêche-toi, sac PV. Allez.
À chaque fois, il me touche juste, hein. De toute façon, t'es déjà mort. Voilà. Voilà, on est bien. J'avais pas vu, tu as le bouclier des défenseurs dans Dingo. Bah oui. C'est le meilleur bouclier que j'avais sous la main, donc voilà. Et tout ça pour du mithril. Yes. Et je suis paumé. Non, c'est par là. Hein? Bon, là, peut-être. Est-ce qu'on a un truc qui régénère que les MP? Non. Bon, bah allez, quand même, voilà. Ah bah juste à temps. Joli toi. Allez. Si si si, laisse-toi mourir. Laisse-toi mourir, allez. Laisse-toi mourir alors, la belle ampoule. Allez. Voilà. Putain, on gagne des bonus juste en ayant un bouclier, c'est trop bien. Et... là. Alors, si on a essayé le mithril, on pourra aider à forger les anneaux de pouvoir. Non, c'est pas avec du mithril qu'ils le font. C'est pas avec du mithril qu'ils le font aussi. C'est pas, ils sont pas au mithril les anneaux de pouvoir, si. J'ai pas souvenir. Je. Ah, évidemment piège. Alors, priorité sur ces saloperies. Alors, toi. Viens là, toi. Hein. J'ai dit soin. Je vais y aller. Donc, c'est ça, justement, si t'avais les armes de graines du Fey. Les quoi? Les armes, je les ai pas ARV. Ah, non. J'avoue que pour l'instant, Gravity Falls, je me suis surtout arrêté à la série principale. S'il y a des trucs intéressants, peut-être que je jetterai un œil, mais pour l'instant, j'avoue que j'ai pas regardé ça. Ah, d'accord, oui, ça continue sur. Il y en a un dans le décor de. Ah, tu veux dire les livres? Bah, j'ai vu vite fait le livre de Bill, ouais, voilà, mais les autres, je les ai pas encore, donc... Il y a un ARG de Gravity Falls dans ton décor? Oui, c'est le livre avec la main à 6 doigts et le chiffre 3 dessus. Ah, et c'est un livre qui a un rôle important dans l'univers de la série Gravity Falls. Déjà. Voilà, ce serait bien d'y penser. Faut que j'ai un peu plus de réflexe, là. D'accord que je l'ai oublié avec les autres jeux, mais dans celui-là, faut vraiment rafale à chaque fois. Même en facile, le rafale, c'est important. Voilà. Manque plus que toi. Ce monde est très vide pour une fusion des autres mondes. Bah, c'est un petit peu l'ironie du truc, quoi. C'est des restes de monde, voilà, c'est une décharge. Et c'est un monde qui a clairement besoin de se composer, voilà, qui vole des trucs aux autres mondes pour se donner une consistance. Et clairement, ils ont encore beaucoup d'ambition, quoi. Évidemment, c'est un piège. Ah, bon, ça ira. Hein. Wow. En fait, je trouve que le piège des vocations de gagner des trucs. J'ai pas compris ce que t'as dit, excuse-moi. Je suis désolée, parce qu'en fait, c'est fort parce que je suis pas désolée. Plus que des pièges, c'est des occasions de gagner des trucs. Donc ça tombe plutôt bien. Alors. Bonus PC, ça je veux bien. Ça je veux bien le bonus PC. Merci beaucoup. Voilà. Donc, compétences, est-ce que je peux... Oui, je devrais pouvoir trouver. Ah, Aonia, bienvenue parmi nous. Et bah, je pense que je vais faire un dôme d'impact. Hein.
Bah si, c'est là. Voilà. Saleté de mur invisible. Et cette personne a pris un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Allez, c'est reparti. What the f... Mais non. Bon, normalement, je suis pas trop loin. Voilà, je suis exactement là où on était avant. Voilà, pas dans merde, pas dans tourloupe. On va pas me forcer à tout refaire ce passage-là. Parce qu'il est pas dur, mais il est un peu encombrant. Bon, ok, au cas où, hein. J'aime pas utiliser clochette tout le temps, hein, au moindre ennemi, mais là, merde. Oui, oui. Déjà que là, on va s'approcher de certains boss que je pourrais pas l'utiliser, ah bah, la petite, là. Alors... Et j'ai perdu mon bouclier, merci de me faire dépenser des MP pour rien. C'est exactement à ce, de ça dont j'ai besoin. Bon, allez, on retourne au-dessus. Hein. Ah mais il envoie plusieurs fois sa grosse boule de feu, l'autre. D'accord, t'as décidé d'être chiant en fait. Hein. Mais elle va se péter cette corne, ouais. Voilà. Quand même. Voilà. Oui, on va s'en sortir. Vas-y. Allez, faut qu'on remonte sur ce machin. Allez. Ah, c'est bon. Là, ça devrait être bon. Voilà. Clochette est plus utile que Mouchou. Ouais, franchement, ouais. Clochette, elle peut te sauver la vie, alors que Mouchou, les petits dégâts qu'il fait, là, il y a peut-être certains ennemis où ça peut être sympa, mais voilà quoi. Alors, quelques coffres par ici. Je me demande où est passé Ansem. Plongeant au cœur du danger, on le trouvera. Ouais, mais merci, c'est un super conseil, Donald. Vite, allons crever, comme ça on le trouvera plus facilement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Bloc forêt, d'accord. Hop. Hop. Ah, très onirique ce truc. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime beaucoup la musique aussi. Là, ça fait plaisir de réentendre des statues, là. Ah, donc là, il y avait l'air d'avoir rien. Là, je sais plus. Si, il y a un coffre là. Donc, faut essayer de remonter plus haut. Ah, la plateforme qui est là-bas, ça devrait le faire. Voilà. Nickel. Voilà, là, je devrais atteindre cette plateforme là pour atteindre l'autre. Voilà. Voilà, matière noire. Alors là, qu'est-ce qu'on a plus bas? Alors, on a celui-là, mais on va peut-être pas plonger dans ce machin-là tout de suite, tout de suite. Voilà. Frappe météore. Alors, Donald, est-ce qu'elle te va, celle-là? Ah, elle a une jolie gueule, elle a l'air d'aller, ouais, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on a par ici? Ouais, non, faut... Voilà, un coffre par ici, c'est cool. Voilà. Bloc ultima, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ouais, non, faudra que je remonte pour entrer dans les machins là. Ah, quoique, attends, peut-être qu'il y a un truc un peu plus bas. Non, rien par ici. Ouais, je vais devoir aller dans ce truc. Allez, c'est parti. Bon.
C'est assez logique que Donald veuille plonger la tête la première dans le piège du méchant, ouais. C'est bien sa technique de bourrin habituellement. Voilà. Voilà, donc là il y avait rien, c'est bon. Voilà. Et ça me donne accès à ce petit coffre juste là. Voilà. Bloc vie max, nickel. Alors, point de sauvegarde, on en profite. Hein. Sauvegarder. Voilà. J'explore un petit peu les petits recoins de cette zone-là, on sait jamais. Là, il y a l'air d'avoir des vides. Là, on a... Ouais, voilà, un petit peu de poussière, des espèces d'œufs d'aliens, je ne sais quoi. Ah, des rochers. Voilà, donc on va essayer de remonter tout doucement. Pour essayer de voir les quelques zones que j'aurais ratées. On sait jamais, il y a peut-être un coffre ou un trio. Je rappelle qu'il nous reste un trio bleu à trouver dans tout ce truc. Attends, est-ce que je peux atteindre là? Oui, je peux l'atteindre, j'y crois pas, mais je peux l'atteindre. Voilà. Ce sont des œufs d'aliens. Il faut pas que tu regardes dedans. Ouais, ouais. Très mauvaise idée. Ah, qu'est-ce qu'on a par là-bas? On va remonter par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a rien dans ce coin-là. Hop. Voilà, nickel. Alors. Ouais, je crois qu'à partir de là, je peux pas remonter. Donc, Ah, quoique, si, si, si. Là, ce machin-là, peut-être que... Voilà. De toute façon, maintenant, le xénomorphe est une princesse Disney. Donc, c'est vrai que techniquement, la reine alien... Moi, je dis, la reine alien, elle mérite son invitation à la réunion Ralph 2. Hein. Pas de problème. Voilà. On fait comme ça. C'est pas tous les jours qu'on le voit dans cette position, en plus. Voilà. Est-ce que je vais atteindre... Ah, je vais peut-être atteindre cela. Hop, voilà. Alors... Il y avait un machin... Ouais, voilà, il y avait le machin que j'avais pas... J'avais esquivé parce que je pensais que ça pourrait attendre. Mais peut-être que je peux y aller tout de suite. Voilà. Voilà, c'est... Ah non, 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 c'est une illusion d'optique. Excusez-moi, c'était pas là. Tu avais un peu pour monter encore plus haut, là où tu as atterri. Ouais, ouais, c'est... Ah voilà, c'est celui-là que j'essaye d'atteindre, là. C'est celui qui est devant. Ah oui, t'en as un là aussi. Voilà. Je suppose que là aussi il y aura quelques ennemis. Voilà, donc on va monter là. Ça devrait nous donner assez de hauteur pour l'atteindre. Voilà le fruit. Hein? Voilà. Donc là je devrais l'atteindre sans problème. Hop, voilà. Allez, viens là, toi, viens là, toi, viens là, toi. C'est surtout toi que je dois tuer. Parce que t'es le plus chiant, toi. Allez. Ah non, il y en a un autre qui est encore plus chiant, vu de la petite épée que je vois planter là. Hein. Allez, on s'acharne sur celui-là. Voilà, ça c'est fait. Allez, dégage. Hop. Et je crois que j'avais déjà récupéré ce coffre-là. Mince. C'est bon. Bah tant pis. C'était un petit détour pour rien, mais ça me fait toujours des ennemis à battre. Allez! Ah oui, cette zone. Alors. Voilà.
passer là le petit truc là. Et on va commencer par ici. Ouais, vaut mieux. On sait jamais. Si c'est le moment de demander, je veux Tim Curry comme princesse Disney. Bah techniquement aussi. Ah, le docteur de Rocky Horror Picture Show, normalement il peut, hein. Encore une fois, j'ai encore gaspillé des MP pour rien, alors que... Hein, allez. Allez, dépêche-toi de mourir, toi. J'en ai marre de toi. Hein. Voilà, voilà. À toi pour en finir. Voilà, sois une belle crêpe, là. Oui, non, évidemment, il y allait y avoir une autre couche. Voilà. Allez. Arrête de faire ça, laisse-toi. Allez, mais... Je m'en fous que tu sois colère, meurs. Voilà. Ah, tu l'as loupé, ton truc. Allez. Non, non, j'en ai marre que tu sois colère, tu meurs. Tu meurs, tranquille. Voilà. Et non, il n'y a pas d'autre couche. Donc du coup, je renvoie Clochette. J'ouvre le petit coffre qu'il y a là. Rock d'audace. Ah bah putain, là, l'audace, elle a son compte. Hein. Et on y va. Josh Brolin en Hal Jordan, avis. Ah, c'est un choix intéressant. Je me doute que c'est une version un peu plus âgée et expérimentée de Hal Jordan, hein, mais pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas. Ça va lui changer, hein. Hein. De toute façon, là, on a déjà... j'ai oublié celui... le rouquin là de Green Lantern, voilà, on a déjà celui-là. Si on peut mettre John Stewart, voilà, si je me gourre pas de nom. Si on peut mettre lui en Green Lantern aussi, ce serait sympa. Histoire d'avoir tous les Green Lantern terriens là. Un vétéran, effectivement. Ouais, voilà, Jordan en mode vétéran, moi je trouve ça intéressant. J'ai pas l'impression que c'est un truc qu'on a des masses explorées dans le personnage, donc ouais. Ça... On va pas le faire jeune à tous les coups, quoi, au bout d'un moment. Hein. Rock grondant, ok. Donc on peut y aller de cette partie-là. Hein, Stewart sera un jeune. Bah moi je trouve ça intéressant, tu vois. Qu'on ait des tas de Green Lantern expérimentés qui servent de modèle pour... pour la nouvelle recrue, moi je trouve que c'est une bonne idée. Puis ça permettra de pas tous de pas s'embêter avec trop de synthèse pour tous les autres aliens et tout. Ah, ça peut être pas mal. Ah. Moi je veux voir les autres corps lanternes. Bah c'est peut-être ça qu'ils sont en train de préparer là en fait, hein. Vu qu'on a plusieurs Green Lantern terriens. Ah non, pardon, tu voulais dire les corps lanternes, tu veux dire les... Ouais, les yellow, les red, ouais, ouais, c'est vrai que ce serait pas mal de les explorer aussi, hein. En vrai, au stade où ils en sont, ce serait bien d'explorer, quoi, ce serait une opportunité manquée. Allez. Faudrait également Guy Garner. Bah, c'est celui-là que je pensais, justement. Et lui, il est déjà dans le film Superman de James Gunn, joué par Nathan Fillion. Donc justement, il est déjà là, lui. Et Kumail Nanjiani en Buster Gold. Ah oui. Ça, tu vois, je sais pas s'il y a eu énormément de bruit sur le fait que... Oh là là, un personnage blanc se fait encore remplacer par une minorité ethnique. Mais là, pour le coup,
Kinan Aniji, je trouve qu'il a exactement ce qu'il faut pour un bon booster gold. Il a le style comique qu'il faut, il a le physique qu'il faut, il a le charisme qu'il faut. Moi, je pense que c'est une bonne idée de l'avoir pris en booster gold pour le coup. Voilà. Allez, viens là le piaf. Voilà. Alors, le petit coffre. Non, les gens pensent qu'il est trop vieux. Moi, je trouve qu'au contraire, le rendre un petit peu vieux, ça peut être intéressant. Tu vois, le montrer que c'est une vieille star qui essaye de retrouver ses vieilles années. Moi, je trouve que ça collerait avec Booster Gold. Hein. Hier, c'est tout le truc du personnage, quoi, que c'est une star un petit peu à côté de la plaque, quoi. Hein, l'un des sites FR de Minecraft qui dit que le film, et je cite, a des visuels déroutants. Alors déroutant, oui, mais peut-être pas dans le sens où il pensait, je pense. Voilà. Voilà. Allez, viens là, toi. Viens là, toi aussi. Et hop. Voilà. Pourquoi le Colisée est ici alors que ce monde n'a pas été dévoré? Je pense que cette zone, en fait, c'est la façon des sans-cœurs de rendre hommage au monde qu'ils n'ont pas pu engloutir, quoi, tu vois. Genre, ils reproduisent une petite partie et ils le mettent là, quoi. C'est pour ça qu'on a eu le chemin de traverse, le monde de Tarzan et tout. Alice au Pays des Merveilles aussi, hein, parce que lui non plus n'a pas été englouti, hein. Et c'est un petit peu glauque de se dire que ces créatures-là rendent hommage au monde qu'ils n'ont pas pu détruire. Genre, ils ont l'impression de rendre service à ces mondes-là en les avalant ou quoi, là. Puis voilà, ça permet de faire un petit mêlée sympa pour ce dernier monde-là. Heureusement qu'ils sont pas trop forts, ceux-là. Voilà. Alors, il est passé où le petit dernier? C'est tiré. Nickel. Je prends le coffre et on se casse. Voilà. Booster Gold, celui qui a prévenu Gordon de ne pas faire la série Gotham. oui, c'était ma petite blague référentielle, ouais. Oula, ça pleurniche par ici. Ah ouais, j'entends ça. Hein. La petite crevette. Voilà. Voilà. Bon, là, par contre, ils sont tenus à faire venir tout le couloir de... merci beaucoup, les gars. Hein. C'est exactement ce que je voulais. ils voulaient participer au live, hein. Ah, déjà des envies de star, celui-là. Je coupe un peu mon micro, le temps de voir le livre. Ok, pas de soucis, je vais essayer de gérer avec le chat. Et sans cœur, aime se moquer des défaites de leurs semblables, faut croire. J'adore que le bouclier, maintenant, il est tellement puissant que les boules de feu qu'il me balance, ça lui renvoie à la gueule. Ouais. C'est toujours un plaisir de voir ça. Voilà. Alors toi, viens là. Bon, du coup, est-ce qu'on a des coffres par ici à récupérer? Est-ce qu'ils sont en hauteur? Alors là, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose. Là, si je continue à sauter... Ah, là, par contre, oui. Voilà. Alors là, on a un recardant. Non, on n'a rien ici. Voilà. Donc, on va essayer de ce côté-là. Hop. Hop. Alors, rien par ici, rien par ici. Là, est-ce qu'on a un truc? Non, on semblerait qu'on ait rien. C'est clair ici. Ah oui, avant les petites interdits. Non, c'était là. Ah non, ils ont bloqué ici. Ok. Et là, est-ce qu'il y a un truc?
En plus, ils ont créé une nouvelle lanterne après ceux qu'on connaît, ce Soro lanterne. Ah ça, j'avoue, j'ai pas trop suivi encore s'il y a de nouvelles lanternes qui sont arrivées. Moi, je suis encore aux bases vert, jaune, rouge, rose, bleu. Je sais pas encore s'il y en a de nouvelles, là. Non, évidemment, il y a des caisses là. Bon, ben, semblerait que ce soit tout. Alors là, j'ai... Ouais, ouais, voilà, j'ai tout nettoyé ici. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oh merde! Merde, 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 j'en ai marre de ce monde! Je voulais pas y retourner! Je pensais avoir tout fait ici, mais non! Aïe! Ah, ah, ah! Allez! Mais si, il est bien ce monde! Moi, il m'avait manqué! Non! Il a manqué à personne! Ah, ah putain, j'ai encore appuyé sur carré là, mais chier. Alors. Oui, pardon pour les gros mots pour le petit. Ça va bien se passer. Alors. Est-ce qu'on peut lui faire un brasier bien comme il faut? Un dernier pour la route. Allez, dépêche-toi. Non, bien sûr, il continue. Le sort brasier sous l'eau, c'est extraordinaire. Oui. Fuck la physique. Oh là 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 là. Hein. Déjà le sort rafale sous l'eau, ça aussi c'est pas mal. Oui. Ah, saleté de courant, voilà. Ça aussi, merci d'avoir choisi cet endroit bien spécifique, pas du tout chiant. Allez. Sois courageux pour le monde Atlantica dans KH2. Oh putain! N'en dis pas plus, faut garder la surprise pour nos invités. Ça va bien se passer. Voilà, bonus PC! Oui, s'il vous plaît! Oui! Ah. Bonus PC! Deux bonus PC! Oui! 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 Compétence, Sora. Wouhouhou. Alors, bah, dôme d'impact et boost tech, du coup, voilà. Ah, mais du coup, il me l'avait... ouais, il m'avait pas gardé le moment où j'avais utilisé le bonus PC de tout à l'heure, d'accord. Voilà, donc, on monte un petit peu, voilà. On sort par là, voilà. Et on retourne plus dans ce monde de merde. On regrette encore moins Winnie qu'Atlantica. Winnie, c'est wholesome. Honnêtement, c'est simple et tout, voilà, c'est... Y a pas de gros enjeux, ça fait du bien, Winnie l'ourson, franchement. D'accord que certains jeux sont pas super bien équilibrés ou quoi, mais l'ambiance, ça fait le tout pour moi dans Winnie l'ourson. Voilà. Voilà, donc. Il est où le dernier? C'est quoi ce monde casino? Bah c'est l'étrange vol de Mr. Jack là. C'est là où on avait affronté Oogie Boogie. C'est pour ça aussi qu'on est un petit peu habillé en mode Halloween là. Je te réfère aux quelques lives qu'on a fait dans ce monde. Que tu peux retrouver sur ma chaîne perso sur YouTube. Allez. Ah, ce boss, il était chiant. Bah, l'idée était pas mauvaise, mais c'est vrai que on avait du mal, hein. Ah, c'était laborieux. Ouais. Dans le 2 aussi, il y a pas mal d'idées comme ça, un petit peu laborieuses, mais ça va avec un déferlement de fun que du coup, t'es quand même content que ça arrive, quoi, tu vois. C'est le bordel, mais c'est rigolo. Ah. Rocky Allin. Ok. Alors, ça, c'est fait. Est-ce qu'on va finir par y arriver? Ah bah là, on est en bonne voie. Hein. J'arrive pas à battre le boss caché dans le monde d'Hercule. Ah ouais, les boss cachés, c'est un petit peu compliqué. Faut vraiment que tu farmes jusqu'à avoir niveau 100 pour être tranquille. Hein. Oui, j'ai dit niveau 100, c'est idéal. Niveau 100, là c'est niveau genre 50. Non, qu'est-ce que je dis, ça existe pas le niveau 100, non, niveau 99, pardon.
Mais c'est pratiquement le niveau 100, quoi, tu vois. Ouais, enfin, c'est le niveau max, quoi. Voilà, ouais. Là, au moins, t'as suffisamment de HP pour pouvoir survivre tranquille. C'est, au moins, là, c'est faisable. C'est quand même galère, au Sephiroth, hein, en niveau 99, mais c'est déjà plus faisable. Oui, mais du coup, au bout d'un moment, la barre de vie, elle baisse. C'est juste qu'on voit pas... Oui, oui, c'est juste qu'ils n'ont pas programmé une dixième barre, quoi, tu vois. C'est... Quand tu rejoueras à KH3, tu joueras la version PC avec le mode bien drôle. Oh, ça, peut-être. Je sais pas si je ferais le mode triche, parce que... Voilà, c'est peut-être un... Ce serait peut-être une occasion de faire un truc rigolo en testant la difficulté habituelle, mais voilà, c'est... Ah, je crois que c'est tout, ouais, ouais, il y avait juste le coffre là, maintenant on peut se tirer. Voilà. Déjà, on fera le mode VF, voilà, ça, vu qu'il existe, il est bien complet et tout, et que les gens qui l'ont fait sont sympas, moi, je dis, ce serait sympa de se faire tous les mondes avec ça, hein, pas juste une petite démo qu'on avait fait. Voilà, et la partie de Winnie Ourson, il y a juste ça. Peut-être qu'il y a un autre truc là. Non, non, c'est tout. Et surtout, un point de sauvegarde. C'est très gentil d'en mettre un là, parce que... On aura fait du chemin, là. Voilà. Oui, oui, oui. Oui. On va gentiment sauvegarder, on va être dedans. Ah, donc, oula, lui, il flamboie un peu plus que les autres. Au cas où, je vais faire clochette. Sauf erreur de ma part, MJ a déjà fait des conventions en Belgique. Oui, tout à fait. J'en ai fait une ou deux, je sais plus. Medinazia, je crois bien, si je me trompe pas de nom. J'en ai même fait en Suisse, pour te dire. J'en ai même fait au Luxembourg, ça c'était très chouette. La meilleure partie du monde de Winnie, c'est la seule partie où on ne croise pas Winnie. Oh, bah, ça c'est méchant, Winnie lui est sympa. Il est juste un peu con. Ah, confusion. Alors on va prendre le petit PV, les gars. Hein, hein. Non, il n'y a rien. Ok, renvoyé. Alors on va ouvrir le petit coffre qu'il y a là, du coup. Élixir. Examiner. Ô enfants des ténèbres nés d'un cœur perdu, dévorez tous les mondes et conduisez-les à leur fin. Rassemblez tous les cœurs en un seul et suprême cœur, le cœur de tous les cœurs unique et universel. Le cœur du royaume, Kingdom Hearts. Le cœur ultime recélant les ténèbres infinies. Retournez à ces ténèbres annihilatrices de toute lumière, mais seuls sept cœurs purs peuvent vous ouvrir la porte. Sept cœurs sans ténèbres, sept clés pour sept serrures, seules deux autres clés peuvent la renfermer. Et seuls les êtres nés des ténèbres peuvent en franchir le seuil pour y retourner. Okay. Ô enfants des ténèbres nés d'un cœur perdu, dévorez tous les cœurs en attendant l'ouverture de la porte. Voilà, un dernier petit signe de notre cher Ansem avant qu'on le retrouve. Ansem est communiste. Non, va pas dans ce sens-là, mec. une salle très importante pour le lore actuel, c'est vrai. Parce qu'on découvrira en jouant à d'autres jeux que c'est là que... Ansem a fait des expériences sur la petite Kairi. Ce qui a fini par la destruction de ce monde-là et Kairi qui atterrit dans l'île du destin. Oula. Et qui a mis quelques trucs dans son cœur qui serviront pour un grand dessin, je sais plus. Les détails un petit peu compliqués du plan du machin, là, c'est... On y viendra. On y viendra quand on sera à ces jeux-là. Voilà. HP max, ça fait toujours plaisir. Et j'ai un truc de case objet en plus. Bon. On va prendre le risque de la renvoyer là. Comme ça, j'accède au menu. Voilà. Alors, du coup. Voilà, on a quelques méga-lexies en réserve. Hop. Et on va mettre aussi des méga-potions à la place des potions plus. Ça me paraît déjà mieux. Voilà. Et je vais prendre le risque de donner les potions plus aux autres. Voilà. Oh, quoique, attends, je vais me donner des élixirs à moi-même, tiens. C'est quand même mieux les élixirs pour ma pomme que pour les autres. Et du coup, on va donner les méga potions aux autres. Ouais, c'est pas très équilibré, mais on va faire comme ça. Voilà. On finit avec les potions plus. Ouais, dans ce sens-là plutôt.
Voilà, je pense qu'on est paré. On va repasser vite fait là où il y a le point de sauvegarde pour être sûr. Ça, c'est et... bon, on arrive vraiment à la fin. On y approche tout doucement, mais on y approche. Après, ouais, c'est vrai qu'il est déjà 23h. Peut-être qu'on fera le vrai boss final pour une prochaine fois, mais déjà là, on avance. Hein. Surtout que moi aussi, je dois me lever tôt demain. Ah. Hein. Alors là, qu'est-ce qui nous attend ici? Alors déjà, on a la poussière de fée, ça veut dire qu'on peut voler dans cette partie-là. Oh oh. La baiser que ça rappelle quelque chose. Ah. Et ah que coucou. De Fantasia. Ouais, c'est le diable de Fantasia. Du coup, très approprié de le mettre là, sachant que son segment, voilà, c'est le maître des ténèbres qui profite de l'absence de lumière et qui se fait vaincre par une petite loupiote après. La lumière divine. Bon, là, comme on est en l'air, je peux pas invoquer Clochette, donc faudra faire gaffe. Voilà. Voilà. Je l'attaque dans le dos, je m'en fous, en traître. C'est le diable, hein. Au bout d'un moment, faut faire preuve d'un peu d'astuce. Le Chernabog. Oui, voilà, c'est vrai que... officiellement dans la librairie de Disney. Apparemment Disney est pas trop joyeux à l'idée que Satan est leur, un personnage récurrent dans le dans leur lore. Donc du coup ils ont dit bon Chernabog, voilà. Et je parle pas non plus de... bon attends, je vais plutôt faire un méga elixir là parce qu'il y a tout le monde qui est mort et j'ai bien besoin de MP. Et là en plus, ouais, ils se déchaînent là. Non mais mec, j'étais en train d'avancer, t'es chiant. Oui, 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 là, il commence à s'énerver là. Oui, oui, il faut que je reste au maximum là, parce qu'on sait jamais. Oui, oui, là, là il gueule, d'accord. Je suppose que c'est là qu'il commence à... ouais, non. Là il pousse, d'accord. Allez, non, 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 pas de bug de collision. Ah non, là c'est là qu'il faut se tirer. Voilà. Voilà. Aïe. Oula, je rebalance certaines attaques sans faire exprès là en plus. Oula, 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 oula. Bon, ok, encore un méga elixir, mais c'est le dernier, les gars. Hein. Alors, dans la chanson, c'est pas la lumière qui le repousse, ce sont les cloches de l'église qui annoncent la messe. Oui, mais c'est quand même illustré avec une lumière divine et tout. Ah, c'est un petit peu tout le symbole de cette de ce passage, c'est que la foi finit par vaincre Satan, quoi, tu vois. Voilà. C'est bon, on y est presque. Non, non, nous balance pas. Oh, t'es chiant. Laisse-nous nous tuer. Laisse-nous te tuer, ce Lulu, allez. Allez, on y est presque, on y est presque. Encore un petit effort. Et on a tué Satan, mesdames et messieurs. On a tué Satan. Modeste Moussorgsky était un compositeur russe né en 1839 et décédé en 1881. Annonce, pardon, voilà. Et les fantômes qui sortent de leur tombe. Oui, bon, ça aurait été un petit peu compliqué à animer, ça. Du coup, Sora devrait faire une prière pour le vaincre. N'est-ce pas comme ça qu'il gagne à la fin du jeu? Hein? N'est-ce pas comme ça qu'il gagne à la fin du jeu? Hein? Débat. Compétences, on va faire avec le groupe. Le super vol plané. Voilà, ça ira mieux.
Non, non, c'est le carré pour descendre. Voilà. Allez, on atterrit. Non, on atterrit pas. Ok, on atterrit pas. D'accord. On descend encore un petit peu. On descend encore un petit peu. Voilà. Putain, il a laissé des dégâts, le Satan, là. Oh, allez. Voilà. OMG, je te retiens. Tu me demandes de parler de musique, mais tu attends que je ne sois pas là pour passer du... Bah, désolé, hein, timing. C'est vrai que là, ça aurait été sympa de t'avoir pour le passage Fantasia du jeu. Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais voilà, les choses sont mal faites, des fois. Alors, je me tiens prêt, parce que là, je pense qu'on arrive à un petit moment... On va avoir un petit paquet d'ennemis à vaincre. Voilà, c'est pas tout de suite. Ah oui, c'est ici. Oui, bon, tout de suite la clochette. On me dit que le timing est important. Bon bah, on a foiré notre partition, ouais, bon. Ouais. Voilà, Satan est vaincu, il retourne à Détroit, ouais. Voilà. Donc toi déjà, tu me tombes dessus comme une merde, là, j'aime pas ça. Allez. Me bloque pas, laisse-moi. Voilà. Voilà. Allez, allez. Ouais. Allez, allez, le petit cul. Voilà. Allez. Allez, mon gars. Mais c'est pas vrai, allez. Laisse-moi monter sur ton cul. Allez. 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 Tu vas voir, mourir c'est cool. MJ, vas-tu live KH2 après le 1? Pas tout de suite. D'abord, on va faire Chain of Memories. Ah, on a la compile complète, faut qu'on fasse Chain of Memories. Je sais pas à quel point ce sera chiant, mais il faut qu'on le fasse. Hein. Vous m'avez retiré clochette. Vous m'avez pas retiré clochette, j'espère. Vous m'avez pas retiré clochette, j'espère. Ah. Ils m'ont retiré clochette, ces enfoirés. Philoctète, monte sur le cul du PMO. commence pas. Il va falloir voir la suite du jeu. Hein? Hein? Donc en réalité, Satan, c'est pas, n'est pas le dernier, le plus grand adversaire. Non, non, c'est juste un petit boss. C'est juste un gardien. Et on va bien rester en vie, les gens. Merci. Voilà. Ah, toi, tu m'énerves à me prendre en retraite comme ça, là. S'il vous plaît, j'aimerais bien avoir assez de MP pour pouvoir me faire une rafale, là. Voilà, donc on a une autre vague. Voilà. Là, ils sont un peu... Ouais. Voilà. Voilà. Ah, le truc est presque complètement détruit. Oui, ça commence à s'ouvrir, le machin. Alors, encore quelques ennemis à nettoyer. Alors, Clochette, tu peux m'expliquer pourquoi Donald et Dingo arrêtent pas de mourir alors que c'est un peu ton boulot d'éviter qu'il meure. Allez. Allez, les petits angelots maintenant. Allez, voilà. Voilà.
Putain, pour des ampoules, elles sont chiantes à casser, là. Allez, allez. Allez, vous y êtes presque, les gars. Vous y êtes presque, les gars. Viens là, mais arrête de m'esquiver, toi. T'es chiant. Ah, allez. Oh putain, on a perdu. On a perdu Clochette. Allez. Voilà, allez. Et arrêtez de me pousser comme ça. Allez. Heureusement qu'ils sont là, eux. Quand ils meurent pas. Voilà. Oula, oula. Allez, on y est presque. On y est presque. Ils sont juste un peu chiants, ceux-là. Voilà. Descends de là, hein. Vous m'énervez à vous mettre hors de portée, là. C'est pour pas vous battre, cassez-vous, hein. J'en sais rien, moi. Ah, mais il y en a encore plus un. Allez. Voilà. Allez. Mais arrête de te protéger, toi. Hein. J'espère que c'est le dernier. Ah, mais Azaroth, le reste, le maître des dieux. Commence pas avec la mythologie satanique, je sais pas quoi. Là. Oula, quoi encore? Oh, mais c'est pas vrai, allez. Allez, c'est... j'espère que c'est la dernière vague. Voilà. Allez, allez, dépêchez-vous de mourir, s'il vous plaît. Je vais pas tenir longtemps, les gars. Allez. Allez, allez. Allez, à toi, à toi, mon gars. Mais... arrête de te protéger. C'est pour pas se battre, casse-toi. Et en fait, Charlabox serait le plus puissant méchant Disney. Officiellement, bah, c'est un petit peu le diable, machin. Hein. Ah, c'est bon? Non, 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 pas encore. Là, ça commence à bien faire, là, les gars. Ça commence à bien faire, les gars. Oh! Il reste un tout petit bout, là, vous abusez. Je peux passer, je suis désolé, je peux passer, en vrai. Juste à enjamber le machin, ça me convient. Je pense que le jeu ne m'entend pas. Allez, voilà. Ah, c'est le dernier de bon. Voilà, que les autres m'aident un peu aussi. Bon. Allez, allez, allez. Vous êtes chiant quand vous faites ça. Je déteste cette attaque. Ouais.
Voilà, dépêche-toi de mourir, toi. Voilà. 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 Ah. Voilà. Phew. Je sais pas s'ils ont essayé de représenter comme forme, c'est chou. Je pense que c'est surtout un dernier parcours. Voilà, méga elixir, bah ça je vais en avoir besoin. Et. Hein? Qu'y a-t-il? Vous n'entendez rien? Écoutez. Attention, cette salle est ton dernier refuge. Au-delà, il n'y aura plus de lumière pour te protéger. Mais ne crains rien. Ton cœur est la plus puissante des armes. N'oublie pas, c'est toi qui ouvriras la porte qui mène à la lumière. J'entends rien du tout. Bizarre, cette voix était si familière, c'était sûrement mon imagination. Tu devrais peut-être te reposer. Ouais, alors du coup, je pense qu'on va pas le faire ce soir, le boss final, là. Justement, le point de sauvegarde, il est là pour ça, pour qu'on puisse se faire les autres quêtes annexes et tout, donc... Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Désolé que ça a été un peu plus court que d'habitude et qu'il y ait moins de matière que les autres fois. Je suis désolé. Oh, il y avait de la matière quand même. Oh, ouais, mais bon, c'était surtout moi qui dégomme des 100 cœurs, quoi. C'est un petit peu dommage. Alors, on va lancer un raid. Alors, qu'est-ce qu'on a hein, dans les suivis? Qu'est-ce qu'on a ce soir? Bah voilà, je vais vous envoyer chez Antoine Daniel, valeur sûre. Voilà. Je lance le raid et je vous dis à la prochaine fois où soit on se fera un petit peu les boss cachés et tout, ou on finira directement le jeu, on verra. Peut-être encore un ou deux lives et je pense qu'on aura fini avec le premier Kingdom Hearts. Bref, à bonne soirée tout le monde, ciao. Bonne soirée les gens.